Salut les bous, c'est Noctis, je suis trop content de vous retrouver pour un petit live complètement improvisé sur Monster Hunter Rise. Effectivement, j'avais envie, voilà, avant ce soir, avant notre live sur Mythopia, de vous retrouver là tout de suite, maintenant. Donc ça fait du bien, merci à toutes et à tous d'être là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, c'est bien simple. On va streamer ensemble jusqu'à 19h à peu près. Donc, on a une bonne heure et demie devant nous pour pouvoir, eh bien, avancer en mode expert sur Monster Hunter Rise. J'ai hâte de pouvoir, eh bien, vaincre tous ces monstres à vos côtés. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Merci d'être là. Installez-vous confortablement. Et c'est parti. On part à l'aventure sur Monster Hunter Rise. Let's go! Bienvenue à toutes et à tous sur Nottingame. Merci infiniment d'être là. Petit live sauvage, complètement improvisé. Et oui, on est censé se retrouver ce soir à 20h30 pour la suite de notre aventure sur Mythopia. Mais j'avais envie, voilà, de pouvoir et bien faire ce petit stream complètement improvisé pour pouvoir et bien poursuivre notre aventure sur Monster Hunter Rise. On a quand même encore pas mal de trucs à faire. On a terminé le jeu il y a 5 jours. Ensemble, l'histoire principale, bien évidemment, parce qu'on termine jamais vraiment hein, Monster Hunter Rise. Et du coup, on est passé quand même du rang de chasseur 45, je crois, à 56, ce qui n'est pas négligeable. Donc, notre objectif, c'est le rang de chasseur 100. Donc, c'est parti, on y va, on fonce. J'ai trop trop hâte de voir la suite et de pouvoir partager ça avec vous, bien évidemment. Let's go, c'est parti! Hey, ah que coucou! Salut! Obidjouflu, comment vas-tu? Ça fait trop trop plaisir de te voir. Coucou Majin, comment ça va? Merci d'être là, merci à vous deux d'être présents, ça fait vraiment chaud au cœur. Comme j'expliquais, j'improvise complètement avec ce petit live ce qui n'était pas prévu. Et du coup, on va pouvoir eh bien avancer sur Monster Hunter Rise. Merci Esteban, t'es trop mignon. Je vous embrasse très fort tous les deux aussi. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que tout va bien pour vous les amoureux. Et on est au rang de chasseur 59 déjà. Ok, je pensais que j'étais un petit peu plus bas. J'ai hâte de pouvoir poursuivre et augmenter encore plus. Bouh, Macu, bisous d'amour, comment ça va? Bisous, bisous, Macu, bisous. Merci d'être là. Ça fait trop trop plaisir de te voir. Comment vas-tu? J'espère que vous avez passé un super bon ramen il y a maintenant plusieurs jours, une semaine, je crois. Déjà, ça passe super vite. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci à vous tous d'être là. On va eh bien avancer sur Monster Hunter Rise. Regardez, j'ai fait une nouvelle tenue. Voilà, j'ai voulu faire une tenue un petit peu genre en mode coquillage et crustacé. Voilà, on ressemble à Brigitte Bardot aujourd'hui. Voilà, ça fait un peu peur. On va super, on va te suivre dans ton aventure. Hey, merci les loulous, merci beaucoup. Je vais très bien, Mathieu, bisous. Merci, merci vous de demander, c'est adorable. Eh bien, écoute, j'avais hâte de vous retrouver. Voilà, je me suis dit, bon, ce soir à 20h30 sur la suite de Mythopia, mais non. J'avais envie de vous retrouver avant, en fait. Donc, j'ai complètement fait un truc improvisé. Là, j'ai allumé mes trucs, j'ai pratiquement rien préparé. Je suis limite encore en pyjama avec mon t-shirt Animal Crossing. Donc, on adore quand c'est improvisé comme ça. On va pouvoir, eh bien, se taper contre des gros monstres, Mathieu Bisou, en niveau expert, donc qui seront beaucoup plus tenaces que les monstres que nous avons rencontrés avant. Donc, eh bien, j'ai hâte de voir ça à vos côtés et voir ce que ça va donner. Donc, pour ce faire, je dois aller au grand camp. Donc, c'est parti, direction le grand camp qui est juste là. On va super, on va te suivre. Oui, en mode expert, Cubizou. Oh là 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 là, je te jure, en mode expert. Et je t'avouerai que ça m'excite énormément. De me dire que je vais pouvoir continuer encore dans ce mode expert. J'avais très peur la première fois où j'ai vu que le jeu me proposait ce mode-là. À partir du moment où tu dépasses un certain rang de chasseur sur Monster Hunter Rise, tu peux maintenant eh bien, confronter des créatures, des monstres experts. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, putain, je vais crever comme une grosse merde. Et effectivement, ça a été le cas au début. Mais ça va un petit peu mieux aujourd'hui, donc je suis assez content. Mais c'est parce que je maîtrise mes doubles lames.
J'ai essayé avec une autre arme, notamment l'insectoglaive. Comme tu peux le savoir, il y a énormément d'armes sur Monster Hunter. Je suis un gros caca avec une autre arme. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais passer en revue mon inventaire. Donc, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je vais prendre des bombes flash qui va émettre un flash lumineux. Ça a pour objectif d'aveugler les monstres sensibles à la lumière. Donc, ça, c'est plutôt cool. Quand on sera confronté à des monstres assez balèzes, on va pouvoir eh bien, les aveugler. Ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus performants en combat. Hein, pendant quelques petites secondes. Et ça, on dit oui! On dit oui, messieurs, dames! Super, j'ai mes pièges, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, je vais manger. Vous savez hein, que j'adore manger, c'est ma passion dans la vie. Au même titre que les jeux vidéo d'ailleurs. Celles et ceux qui me connaissent intimement, les petits bouts, peuvent en témoigner. Je suis un estomac sur pattes! Hey! Oh, j'adore cette petite musique, ça fait du bien, ça met dans l'ambiance, là, la petite cinématique. Avec les petits palicots qui me préparent mes dangos, ça fait plaisir. On est bien reçus dans cette cantine. T'as vu comme il est trop mignon, le chat, Cubizou. Avec la petite musique. Alors, ça s'appelle des palicots. Ce sont des chats qui ont la capacité de parler la langue Monster Hunter, de parler la langue humaine. Et du coup, eh bien, ils nous préparent des petites spécialités qui s'appellent les dangos et qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de performance en combat. Donc, en l'occurrence, ça a augmenté ma vie et mon endurance. Mais ce n'est pas tout, ça m'a donné aussi des caractéristiques que tu choisis selon les dangos. Donc, c'est quand même assez fun. Hey, salut Alan, comment vas-tu? Ça fait trop plaisir de te voir, Alan. Et coucou Manimnim, comment vas-tu? Ça fait trop chaud au cœur de te voir toi aussi. J'espère que vous allez bien, mes petits bouts, pour ce petit live improvisé. Installez-vous confortablement avant notre live de ce soir. On en a pour à peu près jusqu'à 19h, 19h30. On va essayer de chasser du gros monstre. Hein, j'ai hâte. Alors, quels sont nos objectifs? Alors, c'est bien simple. On va aller dans le camp expert. On va faire le niveau maximal, les 7 étoiles. Et on va voir ce que je dois faire. Donc à présent, tous ensemble, on a réussi à valider toutes ces quêtes. Hein. Vous voyez les petits tilts rouges, c'est qu'on les a validées. Donc la prochaine que je dois faire, c'est chasser tous les monstres. Oh purée, on a tué ces trois monstres-là. Donc c'est bien simple, on a un Tigrex, un Akaruga et un Toby Kadashi. Et ben ça va chier, c'est le cas de le dire. Comment ça va vous tous? Trop trop content de vous voir en tout cas. Bienvenue à la maison, bienvenue sur Nottingham. Trop heureux que vous soyez là. C'est parti, on va essayer de buter ces monstres. Donc on en a trois à tuer en une heure. En 50 minutes même, moins d'une heure. Donc ça va le faire. On va réussir mes petits bouts. C'est notre objectif, chasser tous les monstres. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça. Ça va promettre à mon avis. Mais je suis sûr que tout va bien se passer. En plus je suis relooké en sirène. Donc ça va le faire. On est en mode Mermaid Beach aujourd'hui. Donc les petits coquillages. Hein, tout va bien se passer, tout devrait bien se passer, les monstres seront complètement abasourdis par cette tenue et je vais avoir donc un avantage en combat. Super, donc du coup j'ai des méga soins, ça c'est cool et on y va, je suis là, je vois le Narkaguga, le Toby Kadashi qui est tout droit devant nous, attention, on attaque, je vais essayer de les chevaucher, ce serait vraiment très cool et ça va nous permettre... Et eh bien, de pouvoir être beaucoup plus efficace en combat. Let's go. Ouf. Ouf, il fait mal celui-ci. Hein. Oh là 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 là. Ça fait vraiment très mal. Tiens, mange-toi ça. Ouf. Allez, on est 4, ça devrait le faire. On devrait réussir cette mission. Oh là 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 là. Le Narkaguga, je l'adore, mais il bouge dans tous les sens. Il est très 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 rapide. Ouhouhou ! Tiens, mange-toi ça ! Allez, c'est à ton tour, Toby Kadashi ! Attention ! On y va et on fonce ! Ouhou ! Oh yes ! Bon là, on lui a fait mal. Et c'est plutôt cool. Salut Madoka, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup ! Ça fait vraiment chaud au cœur. Écoute, je vais très bien, j'avais envie de vous retrouver avant ce soir, avant notre live de 20h30.
Je me suis dit non, je vais pas attendre jusqu'à 20h30 en fait. Voilà. Aujourd'hui, je suis disponible bien avant et du coup, j'avais qu'une hâte, c'était de vous retrouver. Donc, j'ai fait un petit live improvisé où, comme tu peux le constater, je suis en train de taper contre deux immenses monstres. Il y en a même un qui est très, très, très vif, le Narkalokuga, et ça va faire mal. Donc, c'est parti. Et oui, mon kilo, tu as vu, je suis plein de surprises, hein. Non, en vérité, j'avais super envie de vous retrouver. Je vous jure, je lis un petit peu en diagonale le chat parce que je suis en plein combat, c'est pas évident. Mais je constate que vous, l'un d'entre vous s'est exprimé en disant que vous n'avez pas eu une journée très productive. Eh bien écoutez, moi j'avais envie de vous retrouver en fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver un peu plus tôt. Parce que ça remonte toujours le moral d'être à vos côtés. Donc hop, on y va. Et le Narkaguga est dans un état de faiblesse. On va en profiter pour lui asséner notre combo. Ce serait vraiment très cool. Hop. Et let's go. Ma journée, voilà, c'est tout. Pas mal, Kilo, ce genre de journée. Ça fait du bien aussi, des fois, un petit peu, tu sais, de respirer et de ne rien faire. On a le droit de rien faire. Et ça, on a tendance à l'oublier. On est toujours avec, tu sais, cette espèce de pression de se dire qu'on doit à tout prix faire quelque chose, on doit être tout le temps productif, etc. Et bien non, des fois on a le droit de rien faire, on a le droit de se mettre sur pause. Imagine, je suis de tout cœur avec toi concernant toutes tes tâches administratives, je connais ça également. Et je sais à quel point ce n'est absolument pas évident de faire tout ça. Mais je crois en toi et je suis sûr que tout va bien se passer. Ça demande toujours, tu sais, beaucoup de concentration, toutes ces tâches administratives, parce que c'est loin d'être évident. En tout cas, si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas, parce que je connais tous ces organismes que tu viens de citer, hein. Trop bien, Manimnim, t'as joué à DBD, yes. Moi aussi, je me suis reconnecté sur le jeu il n'y a pas très longtemps. Et on a chevauché le monstre, et ça, c'est cool, ça va nous permettre de taper le Tobi Kadashi qui est juste là et on en redemande encore. Tiens, Mancha, qu'est-ce que j'adore chevaucher des monstres sur Monster Hunter Rise. Je crois que c'est ma passion. Si seulement je pouvais faire ça dans la vraie vie, chevaucher des gens ou alors chevaucher des monstres aussi, ça pourrait être vraiment trop trop cool. Mais je crois que je chevauche déjà des gens dans la vraie vie. Donc je vais me calmer tout de suite. Hop, on attaque tout de suite. Salut Taochika, comment vas-tu? Bienvenue à toi, ça fait vraiment plaisir de te voir. Comment vas-tu Taochika? J'espère que tout va bien de ton côté. Après Noctis, ça remonte toujours le moral. Oh, t'es trop mignon, moi, Alan. Moi aussi, ça me remonte le moral, tu sais, d'être là avec vous. Ça fait mais vraiment, vraiment plaisir. Et tu peux pas savoir à quel point ça me donne le sourire, en fait. Quand je stream avec vous, c'est pour moi vraiment un exutoire sans nom. Et sur du Monster Hunter, ça défoule, tu vois. Autant ce soir sur Mythopia, ça va être trop cool parce qu'on va être dans une aventure complètement farfelue. Autant sur Monster Hunter, mais franchement, tu kiffes quoi. Tu kiffes absolument parce que tu tapes vraiment dans le tas. Et je peux te garantir que ce jeu est génial. Et si vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas une seule seconde. Je peux que vous conseiller Monster Hunter Rise. On a réussi à tuer le Tobi Kadashi, du moins on l'a pas tué mais on l'a capturé. Donc il nous reste eh bien le Narkaguga qui est juste là. Quelqu'un a posé un piège, super, je vais essayer de le capturer tout de suite. Ah, on n'a pas été assez rapide, il s'est dégagé du piège. Donc c'est pas grave, on va eh bien continuer à le taper. Un petit dragon à chevaucher, ah oui, ça ne fait pas de mal, je suis tout à fait d'accord avec toi Tao. Ah là là, ça serait tellement génial de pouvoir faire ça en vrai, tu sais. On a notre Q-Bizou qui écrit « Ah, tu me fais trop rire, Doctis !» Ah, ma Q-Bizou ! Alors là, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire, ma Q-Bizou. Franchement, je crois que c'est ma passion dans la vie de faire rire. J'aime tellement faire rire. Je crois que j'ai bouffé du clown, hein. Si ce n'est pas autre chose. Salut, Adjerina ! Comment ça va, ma Adjerina ? Dis donc, ma Adjerina, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu et ça fait chaud au cœur. Bienvenue à toi à la maison. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien en tous les cas. Mais tu vas faire partie, mon kilo, de l'équipe ce soir. Ne t'en fais pas, tu seras mon compagnon sur Mythopia. D'ailleurs, oui, mes petits bouts, ce soir à 20h30, on se retrouve pour l'aventure Mythopia. Voilà, vous pouvez l'inscrire dans votre agenda. Voilà, ce soir, on se retrouve. C'est cool, on va passer un bon moment ensemble, là. Je suis trop content. Je vais essayer de piéger le Narkaguga. On a le Tigresque qui est là. Donc c'est parti, je vais essayer de poser un piège en espérant que ça soit pas le tigre qui se le mange. Ce serait cool.
Attention, vas-y, je pose le piège maintenant. Vas-y, grosse bitch. Allez, le piège électrique. Prends-toi dedans, s'il te plaît, le Nalkagouga. Ah, voilà, et vous voyez, j'ai pas de chance. C'est incroyable quand même. Ah, si, on a réussi. On a capturé le Nalkagouga. C'est cool. On l'a capturé. Trop, trop bien. J'ai mis ça. Grave, j'ai mangé les clowns de mes anniversaires. Je peux pas résister. En fait, c'est mon petit kiff. Quand je vois des clowns, je ne peux pas m'empêcher. Ça m'évoque une certaine excitation et je suis obligé de les bouffer. Voilà, je suis un mangeur de clowns. Sachez-le, mes petits hiboux. C'est ça notre nourriture à nous, les hiboux de l'espace. Noctis, il a mangé des clowns. Il y a des hiboux pour sur Monster Hunter Rise. Oh mon dieu, il n'y a pas de hiboux sur Monster Hunter Rise. Du moins, pas dans Monster Hunter Rise. Oh, je suis tellement, tellement déçu qu'il n'y ait pas de hibou. Tu sais, Tao, c'est mon animal totem, le hibou. Je suis fasciné depuis tout petit par cet animal-là. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que c'est mon animal totem. Hein. C'est pas juste, on a un devoir donné aujourd'hui pour aujourd'hui Noctingame. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le devoir, venir sur le live Mythopia. Mais ne t'en fais pas, mon petit lot. Tu viens quand tu peux, quand tu veux. Tu sais que la porte est toujours grande ouverte. Hein. Je suis là, donc si jamais tu es libre, que tu souhaites venir, tu sais que tu es bien évidemment le bienvenu. Et je dis ça tout en essayant de buter le tigresse. C'est un exploit, waouh, c'est un exploit, hein. Un petit Edwige, mais j'adore Edwige. Oh là là, Tao, je l'ai en figurine juste au-dessus de moi. Tu sais quoi, après le combat, je te montre ma figurine. J'adore l'univers Harry Potter, toi aussi. Je suis fan d'Harry Potter depuis que je suis au collège, figure-toi. Et l'un de mes rêves, de mes projets, c'est d'aller au studio à Londres. J'en ai déjà parlé eh bien, à des membres de notre commu. Voilà, notamment ma Razor Loulou qui a eu la chance d'y aller et qui m'a donné de très chouettes conseils. Donc j'ai hâte de pouvoir eh bien, visiter ces magnifiques studios qui sont à une heure et demie de Londres, si je ne dis pas de bêtises, en métro. Donc t'as des navettes aussi qui te permettent d'y aller. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller, toi, Tao? Il y a des hiboux sur Monster Hunter Rise, ça va super. Et vous, t'étais en vacances, ma Algérina, mais trop bien. Tu es parti où du coup? Ah là là, mais ça fait tellement du bien, tu sais, de partir en voyage, de s'aérer l'esprit, de faire partager ça avec ses potes, ses amis, sa famille. Ça fait un bien fou. À l'époque où j'avais un travail fixe, je travaillais uniquement pour voyager. T'as visité, Mado, les studios d'Harry Potter, la chance! Ils étaient à Saint-Denis! C'est pas vrai! Mais tu m'apprends quelque chose là, j'ignorais totalement que les studios Harry Potter étaient à Saint-Denis. Hein. Allez, on va faire mal au Tigrex. On y est presque là. Je crois qu'il souffre, hein, le pauvre. Hein. Regardez-moi ça, il est dans un état pas possible. Mais oui, en Suisse! Oh là 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 là! Mais magnifique la Suisse! Il y a des lacs là-bas qui sont mais sublimes. Je suppose que tu as dû aller visiter ma Algérina. T'as des paysages en Suisse qui sont vraiment de toute beauté. Alors moi, je suis parti en Suisse quand j'étais tout petit. C'était à Genève. Je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds là-bas. C'est une ville qui est vraiment magnifique. Et je l'avais fait pour skier. Alors je suis un gros cake quand il s'agit de skier. Autant vous dire que je ne sais absolument pas tenir sur mes jambes. Par contre, je kiffe faire du patin à glace. Là, le patin glace, il n'y a aucun souci. J'en ai fait pendant très longtemps quand j'étais petit. Mais autant le ski, c'est impossible. Je n'arrive absolument pas à tenir debout. Allez, je vais me soigner. On va prendre une méga potion. Yes, c'est cool. On a récupéré de la vie. Et on attaque le Tigrex tout de suite. Allez, c'est le dernier monstre qu'on doit buter. Et on aura réussi cette mission, mes petits hiboux. C'est trop cool. On peut le capturer. Allez, je vais tenter une capture parce que j'ai loupé la précédente, en fait. Donc on va essayer de capturer celui-ci. Je vais juste attendre un petit moment de faiblesse de sa part pour qu'il soit à terre, genre quand il fait une grosse attaque. Genre maintenant. Et je pose le piège maintenant, vite. Allez, allez, pose le piège. Oh mon dieu, pose le piège. Oui, il est dans le piège, vite, 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 vite. Bombe tranquillisante, bombe tranquillisante. On y va, on l'asperge. Et on a réussi à le capturer. On l'a fait, je suis trop content. Trop trop content, on a capturé le tigresse, mes petits hiboux. Bien joué les hiboux, merci pour votre force. C'est vous qui m'avez donné toute cette motivation et ce courage pour capturer le tigrex. Par contre, il me reste 10 secondes pour capturer les matières premières. Est-ce que j'en ai loupé une? Oui, ici, vite, 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 vite. Je l'ai ramassé, non, je l'ai pas ramassé. Trop tard. Merci Majin, et je te fais plein de gros bisous. Et j'ai hâte de te retrouver ce soir, Majin. Repose-toi bien, ou alors courage pour ce que tu as à faire. Et je te dis à ce soir sur notre live Mythopia.
Bisous, bisous, Majin. Je t'embrasse très fort. Ah, mais moi, je comprends jamais les blagues. Je les comprends toujours trop tard, Madoka, écrit Madoka. Mais c'est ça qui peut être drôle aussi, tu vois, Mado. C'est de comprendre les blagues avec retardement. Ça peut être sympa parce que du coup, ça te permet eh bien, de savourer différemment cette boutade. On adore. Algerina écrit, ça c'est relou dans les Monster Hunter, pas le temps de tout dépecer. Mais oui, ma Algerina. Alors en fait, ce qui est très particulier avec la capture, c'est que tu n'assassines pas, tu ne tues pas le monstre, tu le captures et tu n'as uniquement que 20 secondes du coup pour changer d'instance. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu tues le monstre. Quand tu le tues, tu as à peu près 60 secondes pour pouvoir récolter et dépecer les matières premières. Et ça, c'est vraiment trop cool. Mais par contre, quand tu captures, c'est une galère, Algerina. Je te jure, c'est vraiment galère parce que t'as le temps de rien faire, quoi. C'est vrai que ça donne envie, ces studios, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça donne trop envie, ces studios. En fait, t'es dans un mood où t'as qu'une envie, c'est de te retrouver dans la magie Harry Potter, de visiter la forêt interdite, de faire plein de choses. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit, Tao, tu as rencontré Daniel Radcliffe. La chance, à ce qui paraît, il est ultra accessible, pardon, humain. C'est un acteur qui est vraiment très proche de son public. Et ça, c'est tout ce que j'aime chez les acteurs et les célébrités de manière générale. C'est que, quand ce sont des gens qui font preuve d'empathie et qui sont là et heureux d'être là pour leur public. Et c'est ça que j'apprécie. Et Daniel Radcliffe, c'est quelqu'un apparemment qui est vraiment dans cette école-là. C'est quelqu'un de très accessible, il peut se promener comme ça à Londres sans aucun souci. Tu as fait les Geek Days à Lille ? J'aimerais énormément les faire. Alors moi j'ai fait le Bordeaux Geek Festival, j'ai fait Facts à Gand en Belgique, j'ai fait le Comic-Con de Belgique, Paris également, mais je n'ai jamais fait... Eh bien, c'est Geek Days de Lille. J'aimerais beaucoup. Est-ce que c'est bien, Tao? Tu me les conseilles? Hey, coucou mon Wolfie, comment ça va? Ça fait trop plaisir de te voir toi aussi. Ah là 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 là, tu m'as manqué mon Wolfie, comment ça va? Tu feras de gros bisous à mon Fifi s'il est à côté de toi. Attends, j'avais promis de montrer Edwige à Tao. Donc je vais le faire. Voici ma petite collection Harry Potter. Bon, j'ai la baguette de Suro qui ne marche pas. J'ai beau l'utiliser, ça marche pas. Je fais des Avada Kedavra comme ça et impossible, ça fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Voici ma petite Edwige qui est assez connue. Hein. Vous connaissez cette collection. Putain, elle est pleine de poussière, comme McGonagall. C'est donc la fameuse chouette d'Harry Potter hein, qui l'accompagne, qui lui apporte son courrier, qui lui donne à manger. Voilà, elle prend les petites nourritures dans son bec comme ça et puis elle vomit tout dans sa bouche. On adore Edwige, elle est vraiment trop mignonne. Et c'est la fameuse figurine voilà, de la noble collection, si je dis pas de bêtises, hein, les Magical Creatures. Et j'en ai d'autres. J'ai Nagini et j'ai Fumsec Fox, le phénix. Donc voilà, c'est pour ma petite collection que je kiffe bien. Oh, et d'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer, les bouts. Je voulais attendre ce soir, mais je vais vous le montrer. Je vais vous profiter de cette pause, de cette micro-pause pour vous montrer mes petits achats. Hier, en fait, on a passé la journée à faire les boutiques avec Ray et j'ai genre fait flamber ma carte bancaire. J'ai très peur de recevoir un coup de fil de mon banquier d'ailleurs. T'as fait le Comic-Con, Alan? Ben, c'est super déjà le Comic-Con. Tu as fait celui de Paris? Je présume, j'ai fait le Comic-Con de Paris, c'était génial, j'ai vraiment adoré. Alors j'ai fait un samedi, donc beaucoup de monde, mais vraiment il y avait des panels très intéressants, des stands qui étaient vraiment au top, l'ambiance était géniale, et c'était mon premier Comic-Con où j'étais en cosplay, j'avais fait un cosplay de Claire Redfield version barbu. J'étais trop heureux parce que c'était mon premier cosplay, que j'avais passé énormément de temps à le concevoir. J'avais même créé une arme en carton. Jamais je n'aurais pensé être capable de créer une arme à feu en carton. Et du coup, c'était vraiment trop cool. Sauf qu'en fait, mon cosplay n'était pas si bien fait que ça. Donc tout le monde pensait que j'étais Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'effectivement, j'avais une veste rouge en cuir avec tout ce qui allait. Mais bon, écoutez, le principal, c'est d'être heureux de faire ce cosplay. C'est tout ce qui compte. Coucou à tous. Tu secoues pas la bonne baguette, bitch? On adore secouer les baguettes, Nim Nim. Hein? Ça fait beaucoup de magie. Leviosa. C'est pratique. C'est mieux que le Viagra de faire du Leviosa, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, exactement, Tao. Quand il y a des invités sympas, l'acteur de Malcolm, j'adore cette série. T'avais vu aussi la voiture du père de Ron. Oh là là, je l'ai vue celle-ci aussi. Elle était, je crois, au Comic-Con de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Mais excellent, excellent. Et les Simpsons aussi. Mais c'est la base, tout ça, Tao. Pour l'instant, le voyage est pas assuré à 100% Algérina. Du coup, je tairai la destination pour l'instant. Ouh, Alan. Ouh, que de suspense, dites donc. Tu m'intrigues. Faut jamais dire je vais te taire quelque chose parce que du coup on a trop envie de le savoir après. Quelqu'un fait du cosplay? Oui, j'en ai fait, Mado, j'en ai fait qu'une fois. Je l'avais fait à Facts en Belgique et donc au Comic-Con de Paris aussi. Quelqu'un fait du cosplay? Moi j'ai une robe gothique mais je ne suis jamais car pas d'amis. Oh Mado, eh ben écoute, tu sais quoi? Si un jour on se voit sur Paris, tu porteras ta robe gothique et je serai ravi de te voir avec. Mais je crois que je t'avais déjà vu avec, d'ailleurs, il me semble. C'est sympa, il manque clairement de la place. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et oui, mon Wolfie, je suis trop content de lire que vous allez bien tous les deux. Ça fait déjà 6 mois qu'il est à toi. Ah, c'est ta propriété. C'est trop mignon de lire ça. Je suis heureux et joyeux anniversaire à vous, mes petits amours. Je suis vraiment heureux de voir le si beau couple que vous formez, toi et Physalis. Vous êtes vraiment adorables tous les deux et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de vous voir. Je suis vos petites aventures sur les réseaux. Je te suivrai, Mado, avec mon costume Assassin's Creed. Yes, au bijou flûte, t'as un costume Assassin's Creed. C'est trop cool, Assassin's Creed, je t'y jure. D'ailleurs, le Comic-Con, nous écrit Alan, était annulé, était prévu pour être à Porte de Versailles avec 4 fois plus de place, mais le Covid l'a annulé. Ben oui, c'est malheureux tout ça, c'est malheureux tout ça. Et d'ailleurs, Alan, et les petits bouts, j'ai pensé à vous, parce que je sais que certains et certaines d'entre vous, vous êtes fans de Pokémon. Donc avant de reprendre notre aventure sur Monster Hunter Rise, je vous montre mes petits achats que j'ai fait hier. Des tasses de café, c'est des mini-mugs Pokémon avec les formes primaires d'Evoli, leur évolution, mais je craque littéralement. Regardez-moi la beauté de ces tasses. En fait, c'est bien simple. J'étais donc à Paris en train de faire les boutiques geek. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier d'Oberkampf. Et j'ai vu ces tasses. Et sincèrement, je n'ai pas pu résister. Vous savez à quel point j'aime Pokémon, à quel point j'aime Evoli et ses évolutions, hein, comme on dit. Et là, je les ai trouvés, mais vraiment sublimes. Je vais vous montrer ça de plus près si vous êtes intéressé. Tu m'invites que je te les vole. Allez, mon Wolfie. Tu sais quoi? Tu viendras sur Paris avec Fisa dès que tu seras dispo. On se fera ça. On pourra se faire un bon petit Starbucks ensemble, les loulous. Et je serai trop content de vous voir IRL. D'ailleurs, hein, les meet-up, vous inquiétez pas, je travaille dessus. C'est vrai qu'un peu les vacances, c'est compliqué d'organiser ça. Mais c'est toujours d'actualité. Comptez sur moi. On pourra se voir en vrai. On pourra se voir en vrai. Alors voici. La première tasse, c'est Evoli. Regardez comme elle est trop mignonne. L'intérieur est bleu et c'est un bleu vert. Et c'est d'ailleurs le même pour toutes les tasses. Elle est juste trop belle avec cet effet un petit peu imprimé. Donc vous l'avez des deux côtés. Vous avez ensuite Aquali. Ah là là. Vous savez à quel point Aquali, c'est ma base. C'est la base de tout. C'est l'évolution, l'une des évolutions que je préfère d'Evoli. Elle est vraiment trop trop belle. Je suis navré pour la mise au point. Voilà, vous la voyez de manière beaucoup plus nette désormais. Elle est sublime avec cette tache de peinture comme ça. C'est un truc de fou. On a Voltali aussi. Voltali, la version un petit peu plus électrique. Hein, voilà, qui adore Claude François d'ailleurs. C'est son Pokémon préféré. Putain, c'est absolument pas drôle ce que je viens de dire. Hein. Faut vraiment que je me calme sur les blagues vaseuses. C'est incroyable, quoi. Franchement, ça pue du boudin, quoi, ce que je viens de dire. On va pas se mentir. Pyroli qui est trop belle, grosse pensée à ma chinette, ma Didi d'amour, dont c'est l'évolution préférée d'Evoli. Elle est trop trop jolie aussi, donc vous voyez avec ce petit côté peinture et je suis trop content d'avoir cette tasse quoi. Trop 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 content, trop content. Atari mon kilo, mon dieu, comment as-tu pu rire à cette vieille blague de merde? Non mais franchement, faut le faire pour dire de telles choses. C'est pas possible, Kilo. Hein, je te remercie en tout cas pour ton soutien et d'avoir ri à ma vieille blague vaseuse qui pue le caca. T'as vu, Algérina, c'est un site déjà à consommer. Mais faut vraiment que je me calme. Hein. Faut que je me calme. En ce moment, j'ai la fièvre acheteuse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est l'émotion? Je ne sais pas. Je ne fais que d'acheter. Et je vous montrerai lors de notre live de ce soir.
sur Lutopia. Ce que j'ai acheté d'autre, j'ai fait un autre petit achat. Donc voilà pour une petite tasse Pokémon. Je pouvais pas attendre jusqu'à ce soir. De base, j'avais préparé ça pour vous les montrer ce soir, mais voilà, je n'ai pas pu résister. Et oui, t'as vu, Mado, on part tout le temps en conversation. C'est un truc de fou. En fait, les lives sur Noctingame, c'est du jeu vidéo, mais surtout du just chatting. Claude François, il aurait fallu une évolution d'Evoli type eau et électricité, une seule des deux, ça ne suffit pas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Wolfie. Voilà, il a choisi la mauvaise évolution, la pierre foudre. Ne jamais utiliser une pierre foudre quand t'es dans ton bain, quoi, c'est bien connu. Mais moi, j'ai la fièvre acheteuse aussi, c'est terrible. Ah, merci, merci. Je ne suis pas le seul. Vous aussi, mes petits bouts, vous avez la fièvre acheteuse ou vous arrivez plus ou moins à vous contrôler? Parce que moi, en ce moment, je n'arrive absolument pas à me contrôler. Je fais que d'acheter. Hein. C'est un truc de fou. Ça me fait vraiment peur. Mon petit loulou est fan des Pokémon. Un manim-nim d'amour. Tu feras de gros bisous à ton petit loulou de ma part. Tu l'embrasseras très, 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 très fort. Et oui, Pokémon, écoute, premier amour en 97 avec la version rouge que je mettais dans mon Game Boy. Et écoute, ça a été mais un bouleversement jusqu'à aujourd'hui encore. J'ai 33 ans et je suis toujours aussi fan de Pokémon et je pense que ça sera le cas encore et encore. Et c'est ça qui fait aussi la magie de ce jeu, c'est qu'elle te connecte à ton enfance et c'est ça qui est beau au final. Moi, je veux bien compter sur toi, mais je sais compter que jusqu'à 5. Mais Alan, t'en fais pas, on va compter ensemble. Je t'apprendrai à compter en français, en espagnol, en anglais, tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai loupé des petits messages sur le chat? Oui, mais oui, mais oui, j'ai loupé des petits messages. Madoka, le truc le plus dingue que j'ai acheté, c'est une réservation pour aller manger de vrais sushis préparés par un maître sushi dans la capitale. Et ça coûte une blinde. Eh bien écoute, Madoka, au moins, tu as réalisé l'un de tes projets et l'une de tes envies. Et ça, je trouve ça mais tellement important, justement, quitte à économiser, économiser encore et encore, mais d'aller jusqu'au bout de ses envies. Je pars du principe que c'est très important de prendre du temps pour soi, de se chouchouter. On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Et quand on peut le faire, il faut foncer. Il faut foncer. Vous voyez, c'est sans parler de consumérisme, de consommation, on s'en fout de tout ça. J'ai acheté ces tasses, pourquoi? Parce que ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de les avoir. Ça va être sur du long terme. Et voilà, il faut se faire plaisir. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aurais la fièvre acheteuse si j'avais de l'argent, nous écrit Kyubizu. T'inquiète, j'en ai pas, mais je l'ai quand même. Donc je te comprends, mais à 100%. Alan qui nous écrit, j'ai la fièvre de la gestion du budget. Ben ça, c'est une très bonne chose. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir eh bien, cette fièvre-là aussi. Mais ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas, Alan. Je n'y arrive absolument pas. En tout cas, mes petits hiboux, bienvenue à toutes et à tous. Non, tu es le seul. Par le message de Kyubizu. Ah, trop chou. Mais oui, Madoka, n'hésite absolument pas à mettre tous les détails sur notre Discord. D'ailleurs, Algérina, tu es sur notre Discord, bien évidemment. Je reste en lurk, nous écrit notre Nim-Nim. Je vais faire à manger tomate mozzarella que mon petit adore plus que tout, ma Nim-Nim. C'est tellement bon, tomate mozza. C'est frais, c'est parfait pour l'été. Avec un petit filet d'huile d'olive d'Italie où tu mets des petits copeaux de noisettes comme ça avec des noix. Mmh. Oh, c'est un délice. Et sans oublier le parmesan aussi. Oh là là, ça y est, on commence à parler bouffe. Vous savez que quand je parle bouffe, je peux en parler pendant des heures avec vous. Hein. On devrait se faire des streams 100% bouffe. Ce serait vraiment génial. Et si un jour j'ai le matos nécessaire, cuisiner en direct, ça, ce serait vraiment trop cool. Tao nous écrit, fièvre acheteuse, racheteuse. Point fort, collection plus 4, points faibles, touchez le RSA, moins 10, point PC. Ah, oh, je kiffe. Je kiffe ce que tu viens d'écrire, Tao Chica. On adore, ça fait vraiment très fiche de JRPG. On est en kiff, quoi. On est en kiff total. Mais je pense que je me rapproche un peu de toi, Tao. Hein, vraiment, de ce côté-là. Allez, bon appétit, Manim. Et je te dis à tout à l'heure. Je te fais plein de gros bisous. T'embrasses très fort pour moi, Aux, et votre petit bout. Voilà. Et nous, on va repartir, mes petits bouts, sur Monster Hunter Rise. Allez, let's go. On y va. On retourne en chasse. Let's go, let's go. J'espère que vous avez bien accroché vos ceintures. on y va, let's go, à tout de suite, c'est parti. On est de retour, bienvenue à toutes et à tous. On vient de battre trois monstres, c'est ouf.
on a réussi à le faire grâce à nos coéquipiers, et c'est ça aussi qui fait la force de Monster Hunter Rise, c'est qu'on est vraiment unis avec d'autres collègues, et ça fait vraiment toute la dynamique de ce jeu. Rang de chasseur niveau 61, génial! Notre objectif, c'est d'atteindre les 100. J'espère qu'on pourra le faire. On refera un live Monster Hunter Rise eh bien demain. Demain vers les midi, et peut-être qu'on arrivera à atteindre ce rang de chasseur niveau 100. Hein? On va réussir les petits bouts un jour. Il nous en reste plus que 40. Ça devrait le faire normalement. Allez, on va manger. C'est parti. On enchaîne nos combats. Commande habituelle. Donc en fait, je vous explique un petit peu hein, comment ça fonctionne, la commande de Dango, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu. Ici, vous pouvez concevoir eh bien, ce que vous souhaitez manger. Et vous avez différentes sortes de Dango, c'est des espèces de petites boules de riz, qui sont assez réputées d'ailleurs au Japon. Et vous pouvez eh bien, avoir différents Dango. En l'occurrence, vous avez par exemple le fléau des dragons, qui permet d'augmenter la résistance à l'élément dragon. Vous avez également eh bien, vague, qui augmente le temps passé à chevaucher. Et ça, c'est pas mal du tout. Lorsque vous chevauchez une créature, avoir l'opportunité d'être dessus eh bien pendant un certain temps, c'est une tuerie. Moi aussi, Cubis, je rêve d'en manger. Alors, comment ça s'appelle? J'étais parti au Japon, j'avais mangé, vous savez, ces boules de riz là. C'était pas des dango, c'était en triangle avec une algue dessus. Et c'était divin, j'ai oublié le nom. C'était en vente libre d'ailleurs. Dans les combini à Tokyo, je ne sais plus du nom, peut-être que l'un d'entre vous... Onigiri, merci. Alors, c'est pas les samosa, Tao. Samosa, il me semble que c'est chinois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe totalement. Mais oui, Onigiri, tout à fait, Cubizou, c'est ça, merci. Merci, merci, les loulous. Oui, c'était mais vraiment trop bon, quoi. Franchement, je me suis régalé avec les Onigiri, c'est une tuerie. Et ce qui est génial, c'est que tu peux en manger un, t'es déjà calé. C'est trop, trop cool. Allez, commande habituelle, on mange, on récupère toutes nos performances et on va continuer du coup l'aventure. Maintenant là, notre prochain objectif hein, c'est de terminer le rang expert 7 étoiles, et croyez-moi mes petits bouts, ça va être chaud. Pourquoi? Parce qu'on a encore quand même pas mal de quêtes à faire. Là où je suis assez content, c'est qu'on a réussi quand même à faire pas mal de quêtes en mode expert. On a quand même bien avancé, je pense qu'on est à plus de la moitié, mais c'est loin d'être terminé, croyez-moi. Il nous en reste encore beaucoup. Il nous en reste encore beaucoup. Et ça, ça va piquer. Je vous le dis tout de suite. Allez, petit thé au matcha. On s'est restauré. Merci pour le courage. Gros bisous, Mathieu, bisous. Je t'embrasse très, 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 très fort. Bisous à toi de tout mon cœur. Et on se voit très, très vite IRL. On se tient au courant pour aller se faire un bon petit ramen avec Pookie. Je t'embrasse fort, Mathieu. Bisous d'amour. Bisous. Samoussa. Onigiri au micro-ondes, au pire juste le goût est moins bon, mais grave Tao, je te jure. Bah c'est clair, c'est toujours meilleur quand tu manges frais, on va pas se mentir. Les seuls plats préparés qui sont plutôt bons alors que c'est du surgelé, c'est Picard. Je n'ai jamais été déçu par un plat Picard, mais un truc de fou. Ça a toujours été plutôt correct, voire très bon pour certains éléments. On va reprendre de la potion et maintenant il me faut des pièges. Il me faut davantage de pièges parce que je n'en ai pas énormément et j'ai besoin de capturer les créatures. Voilà, les pièges sont ici. Nickel. Et il me faut une petite bombe tranquillisante qui doit être quelque part par là. Donc ça, c'est Ruby Rathalos. Non. Ah, la bombe tranquillisante. J'aime bestial. Où est-ce que tu es, bombe tranquillisante? Tu es là. Je t'ai trouvé. Yes. Super. Donc on a tout ce qu'il fait, on a tout ce qu'il faut même. Apparemment il y a un hibou dans Monster Hunter Rise, mais oui Tao, il y a un hibou, ça s'appelle l'hibouette. Je pense que c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, mais figure-toi que mon hibouette ne ressemble plus à un hibou. Je vais te montrer ça tout de suite, regardez les petits bouts. J'ai acheté un nouveau skin pour l'hibouette, c'est un dragon. Comme ça je me la joue un petit peu Daenerys Targaryen, hein. Ça nous rappelle des bons souvenirs, ou pas. Regarde mon hibouette, je l'ai appelé comme un membre de notre communauté, un ami, Dio. Coucou mon petit Dio d'amour si tu es là. Voilà, mon hibouette s'est transformé en dragon. Hein, tu vois, c'est un petit peu plus... C'est un hibou en mode testostéroné là, tu vois. On est en mode un peu plus violent. Donc let's go. Allez mon petit hibouette, merci pour tout. Repars vers d'autres cieux. Alors, pour celles et ceux qui se le demandent à quoi sert le hibouette, eh bien, je ne sais pas.
Non, si plus sérieusement, en fait, vous le lancez à chaque début d'aventure et il récolte pour vous plein de trucs assez utiles. Mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Cette étoile, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ouh. Oh, feu et fureur capturés en Rajang. Oh, ça va être trop chaud, ça. Maintenant, on doit chasser un Arzuro supérieur. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti pour l'Arzuro supérieur. Mes petits bouts, ça va être vraiment très chaud, ça. Let's go. On fonce direction l'Arzuros. Je pense que ça va faire mal. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va essayer de vaincre cet Arzuros supérieur. Et ce qui est génial, c'est qu'il va nous donner vraiment des matières premières qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Et à mon avis, ça va me permettre de pouvoir créer des armes haut niveau. Et ça, ce n'est pas négligeable. J'ai vraiment hâte de voir eh bien, ce que cet Arzuros va nous donner en jeu. Alan nous écrit « Picard, c'est pas mal en surgelé ». Mais oui, mais c'est canon, Picard. Moi, franchement, ça m'a permis de manger varié, de manger plein de choses différentes. Je te jure, ça m'a vraiment permis de manger équilibré aussi. Puisque je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je galère tellement. Autant j'aime cuisiner, autant je galère parfois à savoir quoi manger. Et du coup, Picard, ça me permet vraiment, quand j'ai pas le temps de cuisiner, de manger sain, de manger varié, de manger équilibré. Et ça... ça vaut de l'or, très sincèrement. Mais moi, j'en prends pas en plat déjà. Tu fais les assortiments de légumes, c'est vachement bien. Mais les assortiments de légumes, c'est trop génial. Il a un peu muté. Pourquoi on peut pas rejoindre cette section de quête? Bon, allez, jamais 203, comme on dit. Normalement, ça devrait fonctionner, celle-ci. Il a un peu muté. C'est l'effet de serre qui lui a fait cet effet, mais grave. Exactement. Il a trop écouté du Shaim. Et au final, l'effet de serre lui a valu pas mal de dégâts, je pense. La voix du guerrier. Eh bien écoute Madoka, la voix du guerrier, c'est pour toi. Je ne comprends absolument pas pourquoi je ne peux pas trouver une session de quéquette pour tuer l'Arzuro supérieur. Et ça a marché. Oh, viens à la maison, je te ferai un super repas, je me débrouille pas trop mal. Mais oui, Obidjouflu. Eh, tu sais quoi? Il y en a une certaine Jaja, qui m'a partagé quelques photos et j'ai vu les plats magnifiques que tu as pu cuisiner. Et c'est vrai qu'écoute... je comprends ta passion pour la cuisine, puisque moi-même, je suis loin d'avoir ton niveau, parce que j'ai vu tes photos, elles sont exceptionnelles, mais j'adore cuisiner, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un moment d'évasion quand tu cuisines, je ne sais pas si tu ressens la même chose aussi. Ok, on va pouvoir prendre une petite potion, on va laisser ça à nos copains, et c'est parti, direction l'Arzuro supérieur qui est à proximité. Ok, je le vois, il est dans la zone 6. Et alors, qu'est-ce que ça fait? On adore Shaim. Stupide Obidjouflu, ça les abîme! Gollum, mon précieux. J'imite très mal Gollum. Je ne sais pas si vous, vous savez le faire, mais Gollum, je le maîtrise absolument pas, tu vois. Hey, l'Anjanath, il peut peut-être nous aider. Je vais essayer de me servir de l'Anjanath pour le chevaucher et taper l'Arzuro supérieur. Est-ce que je vais réussir ma petite mission? On va voir ça tout de suite. Allez. Allez, l'Anjanath, laisse-moi te chevaucher. Allez, fais pas ta bitch. Laisse-nous te chevaucher, on a besoin de te chevaucher, Anjanath. Ok, il va pas se laisser faire, je crois. Ok. Ok, on fait attention. Je vais retenter une dernière fois de le chevaucher. Allez, viens ici. Et laisse-moi te chevaucher. Non, il voudra pas, je pense. On va tester. Ouh, le petit coup là derrière. Tu crois que je t'ai pas vu? Hein? Me foutre ce petit coup là, Anjanath. C'est pas sympa, hein? Ok, je vais essayer de l'affaiblir tout de suite. Voilà. Donc maintenant, peut-être qu'il sera un petit peu plus déstabilisé. Et ça va peut-être me permettre de pouvoir le chevaucher. Allez. Oui, ça marche, je suis trop content. Oui, on a réussi. Ah, c'est trop bien, je suis trop content. Allez, direction l'Arzuros. On y va. Allez, on fonce. Et on va faire pas mal de dégâts grâce à l'Anjanath. Je vous rappelle qu'il y a un mécanisme très chouette sur Monster Hunter qui nous permet de chevaucher les créatures. Et voilà, 220 points de dégâts sur l'Arzuro supérieur. Ça fait mal. On recommence. Allez, Anjanath. Allez, tape-le dessus. Vas-y, tu peux le faire, Anjanath. Maintenant. Ouf, il nous a fait mal. Putain, il est tout petit, l'Arzuro, comparé à l'Anjanath. Vous avez vu ça? Il est minuscule. Ok. Allez. On lui a fait mal.
on continue, on fait l'attaque punitive sur lui. C'est pareil. Chi ! Oula ! Ça, c'est ce qui s'appelle un gros fake. Et un gros fail en même temps. Allez. Bon, ok. On lui a fait quand même quelques petits dégâts. C'est pas une grande réussite, mais écoutez ma foi, on l'a mis à terre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ouh là 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 là. Eh bien écoute Algérina, je te conseille vivement d'aller sur le Monster Hunter Rise sur Switch pour plein de raisons. Tout d'abord, c'est un univers qui est complètement différent au niveau de l'ambiance. Si tu es, tu es réceptive à l'ambiance Japon, ce Monster Hunter Rise va te séduire. Il y a des paysages qui sont magnifiques, les maps sont de toute beauté. Et en plus de ça, tu as un mécanisme au niveau du gameplay qui est très 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 intéressant. Ok, je vais me soigner. Ok, je me suis soigné. Oh putain, il m'a mis à terre. Il nous reste plus qu'un essai. Malheureusement, je n'avais plus d'endurance. Bah écoutez, on va essayer de le buter avec un essai. Hein. Ça va être chaud, mais on va essayer. Donc pour toutes ces raisons, Algérina, je te conseille vivement. Sachant que le jeu va sortir sur PC, il me semble dans un an. Et du coup, ça va te permettre, eh bien, si il y a le cross-save, de pouvoir reprendre ta partie sur PC, ce qui serait vraiment trop cool si tu l'as sur Switch. En tout cas, moi, je suis archi fan de Monster Hunter Rise. Le gameplay est vraiment super bien abouti. T'as plein de nouveautés que tu n'as pas sur Monster Hunter World. En l'occurrence, tu vois, tu peux chevaucher ce qu'on appelle un chumski, donc ta monture. Et très sincèrement, je pourrais pas revenir en arrière. Maintenant que j'ai les montures, ça va me faire très bizarre de pas l'avoir sur Monster Hunter World. Et t'as plein de créatures. Je crois que tu en as 34 de plus en mode inédit. Et yes, c'est parti. Mais avec grand plaisir, ma Algérina. Avec grand, grand plaisir. N'hésite pas si tu as des questions. Hop. Allez, on va te cuisiner un petit dragon, Tao, là. C'est parti. Hein, c'est riche en fibres, à ce qui paraît. Tu vas aux toilettes direct. Allez, concentration Noctis. Là, il faut vraiment pas qu'il mette à terre parce que sinon, c'est mort. Ok, je vais me soigner tout de suite avec premier soin. Ok, je vais prendre une boisson énergisante qui va me donner beaucoup plus d'endurance. Ok, ça n'a rien fait, on adore. Potion du démon, ce qui va augmenter mes performances quand je serai en mode démoniaque. Potion vitalité également, qui va augmenter ma vie. Et on est paré pour le combat. Let's go, on attaque maintenant l'Arzuros. Ouh purée. Oh purée, il fait mal, il fait mal. Oh là 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 là, il nous a mis à terre. Il était trop puissant. La quête a échoué malheureusement. Écoutez, ce n'est pas grave. On va recommencer. Je suis navré pour mes coéquipiers. Mais là, il a été vraiment très costaud. Hein. C'est bien ce que je craignais. Et pourtant, il n'est pas à un niveau élevé. Hein. Bon, je vais tâcher de me concentrer davantage. Et là, ça va le faire. La prochaine sera la bonne. Cette fois-ci, on va la voir. On va mettre tout ce qu'il faut de notre côté pour vaincre cet Arzuros. J'en suis persuadé. Merci pour les précisions. Vous savez, je me rends compte que le seul jeu auquel j'arrive à jouer, le démineur. Excellent. Prends de l'eau et raid, car dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tu as raison, Tao. Je vais boire, ça va redonner de l'énergie. On est parti. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Je suis convaincu de ça. Donc je vais reprendre des potions, let's go, tac tac, on va reprendre tout ça et on va lui faire mal bien comme il faut. Il va regretter de nous avoir mis à terre. Donc on va manger tout de suite. Hop, ça faisait longtemps que j'ai pas été mis KO. Hein. Oh la vache, ça faisait un bail. Hein. Ça faisait un bail que j'ai pas été mis KO sur Monster Hunter Rise. Parce que c'est vrai que là, c'était du lourd. Hein. Même les divinités sur Monster Hunter Rise n'ont pas réussi à mettre KO mes potes qui jouent depuis un certain temps. Donc c'est que celui-ci doit être vraiment costaud. Il doit être vraiment très très costaud. Donc il va vraiment falloir qu'on se prépare bien comme il faut. Hein. Est-ce que j'ai les bons sets? Ouais, je dois avoir les bons sets normalement. Hop, on va essayer de le buter. Il est là. Allez, on y retourne. On croise les doigts, mes petits bouts. Hein. On croise les doigts très très fort pour essayer de le vaincre, celui-ci. J'espère que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On va réussir.
No joke. Ah là là, mais c'est trop bien le démineur aussi, Alan. C'est trop trop bien, trop trop bien. Je vais suivre les conseils de Tao Chica, qui est de boire, et tu as raison, Tao. Ça permet d'être beaucoup plus en phase face à ces monstres gigantesques. Recherche d'une session de quête. On croise les doigts, faites que ça marche, Etsy. Et mon petit Kilo, il est l'heure de l'ASMR, sa mère. On est prêt pour se faire dégommer par cet Arsuros. Non, il faut pas partir défaitiste. Il faut être confiant. Tout va bien se passer. C'est ce qu'il faut se dire. C'est la méthode Koé, vous savez. Loi de l'attraction, tout ça, tout ça. Il faut faire en sorte que tout se passe bien. Et tout va bien se passer contre l'Arsuros. J'en suis sûr et certain. Let's go. On y va. Super, on est au complet sur la quête. Et cette fois-ci, je vais me concentrer au grand maximum mes petits bouts. On va réussir. Allez, l'Arsuros est là. Est-ce que je peux pas essayer de chevaucher une autre créature? Ok, on va aller par là. Et c'est parti. Viens là, petit bébé. Oh oui, je te vois. Tu es en face de moi. C'est encore l'Anjanath, le pauvre. Il va en avoir marre de moi, l'Anjanath, en fait. J'arrête pas de le chevaucher. Donc c'est parti, on te chevauche, Anjanath. Tiens, mange-toi ça. Let's go. Viens ici, que je te tape. Allez, 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 allez. Allez, je veux te chevaucher, Anjanath. Je veux te chevaucher. Tu es à moi. Allez, petite créature. Tu es à moi, Anjanath. Allez, viens ici. Tu fais mal en plus. Tu fais très très mal. Ouh. Attention. Ouh. Il hurle. Oui, on se bouge. Ouhou. Attention aux flammes. Let's go. Mange-toi ça. Allez, 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 allez. Ok, je vais essayer de l'aveugler maintenant. Ok, il y a déjà un premier évadissement et je suis dessus. Oui, on a réussi à le chevaucher. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez, on y va tout de suite. On se dirige vers l'Arsuros qui doit être de l'autre côté par contre. Let's go, on va passer sur la gauche. Et on y va tout de suite. Allez, allez, j'arrive la team. Ne désespérez pas, j'arrive. Je vais essayer de vous aider. C'est parti, l'Arsuros supérieur est là. Et on l'attaque. Mange-toi ça. 242 points de dégâts, c'est cool. Il est tellement petit que je ne le vois pas. Tiens. Oula, cette fois-ci on lui a fait beaucoup beaucoup de dégâts par rapport à tout à l'heure. Et ça c'est vraiment cool. Allez, attention. On attaque maintenant. Tiens, mange-toi ça. Allez, on essaie de lui remettre encore un taquet. Oui. Et maintenant, attaque punitive. C'est parti. Oui, on a réussi, les bouts, on a réussi. Yes. Ah, on lui a fait pas mal de dégâts. Et ça, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Par contre, il faut absolument que je me soigne maintenant. Pour éviter de faire un deuxième évanouissement. Je vous rappelle qu'on a droit à 3 évanouissements contre un monstre. Sinon, la partie est KO. Hop. C'est foutu. C'est game over. Oui, on l'a remis à terre encore. C'est trop cool. Je fais mon attaque de soi qui va lui faire pas mal de dégâts. Ok, attaque combo. Wouhouhou, mange-toi ça. Yes, 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 yes. Allez, 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 allez. Ouh là 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 là. Oh mon dieu, mon dieu. Let's go. Et c'est parti. Ouh. Ok, par contre, je suis gentil moi, mais je vais quand même ramasser les matières premières, hein. Ça va me permettre quand même de faire des trucs plutôt pas mal. Donc on y retourne. Let's go. Ouhou, je suis là. J'arrive, bébé. Ne pars pas trop loin. Tiens. Oh oh. Oh 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 oh. Attention. Tiens. Allez, 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 viens ici. Ok, il s'enfuit. On y va tout de suite. Allez, Angel. Mon Chomsky, j'ai besoin de toi. On y va. On court, on court, on court, on court. On accélère. Ok, il est passé sur la gauche. On y va tout de suite. Ok, tu es là, petit Arsuros. Je vais essayer de te déstabiliser avec mon flash. Et tu es là, bébé. Tiens, mange-toi ça. Oui, ça a marché. On l'a réussi. On a réussi à l'aveugler. Et maintenant,
on attaque, on profite du fait qu'il soit aveuglé. Oui, c'est bon. Ok, attention, Artemis esquive, attaque maintenant. Ouais, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que je réussisse à monter sur tout son corps si possible. Ce serait vraiment cool si j'arrive à faire cette technique-là. Et je me soigne. Oh là 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 là, il m'a mis KO, c'est pas possible. Il est super chaud, j'ai jamais été confronté à un monstre aussi difficile que lui. C'est un truc de fou. A plus mon bitch, je t'embrasse fort, gros bisous à toi et à Majaja, bisous bisous. Et merci d'être passé, ça fait trop plaisir. Ok, on y va tout de suite. Ouhou. Ah mais c'est pas possible quoi. Il est super costaud hein. Il est super costaud. Allez, on y va. On fonce. Je vais essayer de l'aveugler encore une fois. Ok, normalement, ça devrait être bon. Tu es là. Tiens, mange-toi ça. Ok, on a réussi à l'aveugler. Et maintenant, il est à terre. On en profite. Mange-toi ça, mange-toi ça. Ok. Ouhouhou. Allez, on va réussir, on va réussir, on va réussir. Ok. Mange-toi ça, tiens. Oh là là, il me fait mal celui-là. Ok, viens là. Oui, c'est bon, on l'a aveuglé encore une fois. Et là, on fonce. Tiens. Il est vraiment pas facile hein. Ouf, 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 ouf. Ok, attention esquive. Wow. Ok, là on lui a fait mal. Là on lui a fait très mal. Ouf, 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 ouf. Attention. Et fonce maintenant. Par contre s'il y a encore un évanouissement là, c'est KO hein. Ah mon dieu, il s'affaiblit là, je sens qu'il est de plus en plus faible. Allez, 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 allez. On peut l'avoir. Oui, il est aveuglé, c'est cool, quelqu'un l'a capturé et paralysé, ce qui va nous permettre de lui faire pas mal de dégâts. Allez, 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 allez. Va-t-on réussir ou pas? Le suspense est à son comble. Et de toute façon, il n'y a pas d'échec. Il faut toujours continuer et aller jusqu'au bout. Si on ne réussit pas encore cette fois, la prochaine, ce sera la meilleure. Mais là, on va réussir. Allez, on va réussir. Ouh. Ouh là là là, il m'a fait peur ce salaud. Merde, loupé. Attention. Ouh. Oh là 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 là. Merci pour le soin, copain. Merci, mon Alan, pour tes encouragements. C'est adorable. Merci. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. Dès que je vois l'icône capture, je le capture direct. Ok, il s'en va. Bah, là, je pense que c'est la prochaine étape avant, avant sa capture ou sa mort. On y est presque là. On y est presque. On fonce tout de suite. Allez, 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 allez. Et let's go. Wouhou. Ouf, salopard. Aïe, 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 aïe. Ok, 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 faut surtout pas rester ici. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. Oui, la terre, la terre. Yes, 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 yes. Allez, super coup. Tiens, je te fais mon attaque fil de soie. Ça va donner beaucoup plus de dégâts. Oui, ok, vas-y, crie. Tu as raison. Allez, 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 allez. On peut le faire. Ouhou. Allez, allez. Je me mets en mode démoniaque. Et on attaque maintenant. Ouh. Oh la vache. Oh la vache, la vache, la vache. Oh, il a fait mal là.
Oh non, mince, quelqu'un s'est évanoui également. La quête a encore échoué. Ah ouais, non, mais c'est super chaud. Je crois qu'il va falloir que on s'entraîne sur une autre quête. Celle-ci, elle est peut-être trop élevée, hein. C'est possible aussi, hein. Elle est peut-être beaucoup trop élevée. Je vais faire une autre quête. Je vais faire une autre quête. Et ensuite, je referai celle-ci. Je vais refaire une autre quête avant mes petits hiboux. Parce que là, celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu trop élevée. Et ça ne sera pas de refus de prendre des rangs de chasseurs en plus. Ça me permettra d'être beaucoup plus efficace. Adjerina nous écrit, moi j'adorais faire la trilogie Mass Effect, mais j'ai peur du temps que ça va me prendre. Adjerina, j'adore la trilogie Mass Effect. Ça fait partie pour moi de mon top 5 de mes jeux vidéo préférés, Mass Effect. C'est une trilogie qui t'invite au voyage. D'ailleurs, on a commencé l'aventure ensemble en stream. D'ailleurs, le différé est toujours disponible. Mais, bien évidemment, quand j'aurai terminé Mythopia et Monster Hunter, on va pouvoir reprendre ensemble cette saga qui est juste exceptionnelle. Toi aussi, Algerina, c'est ta saga préférée? Yes! Ah là là, encore un point commun. Mais elle est exceptionnelle en fait. Il y a énormément de personnages qui sont super bien écrits. L'univers, il est juste fou. Bref, c'est que du bonheur, Mass Effect. Que du bonheur. Améliore la récupération de vie, ça sera pas de refus. Boisson énergisante, je prends. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre aussi? De la bouse pour lui lancer plein de caca dessus. Ça peut être pratique. Est-ce que j'ai des pièges? Je pense que j'ai mes pièges. Oui, j'ai tous les pièges qu'il faut. Donc ça, c'est plutôt cool. On l'a fait, on va manger. Let's go. Allez, on se nourrit. J'espère que ce petit plat va donner pas mal d'avantages. Ouais, ça nous a pas donné beaucoup d'avantages, mais c'est déjà ça. Alors du coup, au niveau des quêtes, qu'est-ce que j'ai d'autre avant de faire le supérieur? Parce que le supérieur est vraiment trop balèze, hein. J'ai peut-être visé un petit peu trop haut là. On a quoi d'autre? On a les défis d'Utashi. On a feu et fureur, d'accord. Sinon ici, j'ai... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire des quêtes événements. On va faire une quête événement expert en 7 étoiles. Le balai du somnacante. C'est parti. On doit buter ce somnacante. Eh bien, let's go. On va faire, eh bien... cette quête, exactement Tao, après l'effort, le réconfort, exactement, la quête où on se nourrit, et je vais manger du somnacante Tao, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace, et je vous jure qu'après ce somnacante, on va réussir à buter et à bouter la Larzuros, mais clairement. Merci mon Bénou, comment ça va mon Bénou d'amour? Trop content de te voir sur le live, ça fait longtemps mon Bénou, tu m'as manqué, comment ça va? J'espère que tout va bien. Tu embrasseras très fort ma Razor Loulou, hein. Vous m'avez énormément manqué lors de notre dernier stream. J'ai très très fort pensé à vous. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? En tout cas oui, il va me falloir beaucoup de chance pour buter cet Arzuro supérieur. Beaucoup de chance parce qu'il est vraiment très 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 balèze. Mais le somnacante, logiquement ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire. Je vais prendre une petite potion. Hop. Allez, on prend une petite potion, on laisse le reste aux copains qui vont nous rejoindre. Donc let's go, je vais prendre une ration X afin d'augmenter tout de suite ma jauge d'endurance. Hop, et on y go. Donc le somnacante, il est dans l'eau, ce qui ne me surprend absolument pas de sa part. Oh, vous avez fait du cheval, trop bien! Oh là 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 là! Excellent, excellent mon Bénou. Ah, t'es un amour Tao, merci. Merci beaucoup. Entre le désir et sa réalisation, tout à fait positif. J'adore ce que t'as écrit. La chance ou fortune est un concept qui exprime la réalisation d'un événement positif, améliorant une situation humaine ou même par extension toute entité vivante, sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet entre le désir et sa réalisation positive. Je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens d'écrire. Aucun Wikipédia n'a été utilisé. Oh là 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 là. Mais oui, on le sait. Allez, petit somnacante, où es-tu? Tu es tout droit. Donc c'est parti. Là, ici. Oh oui. Ah, toi, je t'aime beaucoup, toi. Donc toi, je vais essayer de te chevaucher tout de suite. Allez. Allez, s'il te plaît, viens à moi. J'ai besoin de te chevaucher, s'il te plaît, magnifique créature que tu es.
Ok, merci à toi de m'avoir accordé ce privilège. Je suis enfin sur toi, Arang. Merci infiniment. Et grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre les copains et taper du somnacante. C'est parti. On y va tout de suite. Allez, let's go, let's go. Le somnacante est juste au-dessus. On y va. Il nous reste encore du temps. Gros bisous, mon kilo. À très vite. À très, très vite. Allez, on y va. On fonce. Let's go, let's go, let's go. Ok, somnacante, tu es là. Je te vois, belle sirène. Tu es juste en face de nous. Et tu vas douiller. Tiens, mange-toi ça. Wouhou. 236 points de dégâts, c'était pour toi. On continue. Allez, Arang, fais-lui mal. Oui, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Allez, une petite attaque punitive juste après celle-ci. Et on est tout bon. Je vais en profiter encore tant que la jauge ne se vide pas, afin de la réattaquer encore une fois. Et maintenant, attaque punitive. Tiens, c'est parti. Merci à toi, Arang, de m'avoir permis de te chevaucher. C'était un privilège. Et grâce à toi, on a pu faire mal au somnacante. Et on va tout de suite... Ah oui, c'est autre chose le somnacante. Hein. C'est bien plus simple de la buter que l'Arzurus supérieur. Hein. Je me sens plus à l'aise. Hein. Je me sens un peu plus à l'aise. Allez, mange-toi ça. Ouhouhouhou. Tiens, dans la tête. Coucou Yugo, comment vas-tu? Bienvenue à toi, bienvenue à la maison. Content de te voir mon Yugo. Comment ça va? Allez, boisson énergisante. Allez, réveille-moi, réveillez-moi, merci. Oups là, c'est parti, attention. Et on tape. Tape, tape, tape. C'est ta façon d'aimer. Allez, mange-toi ça. Viens là, somnacante, viens là, viens là. Ouh! Mange-toi ça! Mange-toi ça! Ok, ok, tu veux te la jouer comme ça. C'est pas bien grave. On va essayer de te déstabiliser. Allez, petite boisson énergisante pour me réveiller, s'il vous plaît. Oh putain! Ok, ça, ça fait mal. Allez, on fonce. On fonce. Décidément, il m'a encore endormi. Ok, là il m'a réveillé. Et maintenant je vais essayer de me soigner tout de suite avant qu'il me réattaque. Ok, c'est bon, je suis soigné. Et je fonce. Let's go. Ouf, saloperie. C'est pas possible, je me mange tous les trucs là. Mais what the fuck. Allez, réveille-toi. Et fonce. Fonce, 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 fonce. On y est. Yes. Ouf. Salut Hoax, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue mon Hoax, comment vas-tu? Allez, crève. Tiens. Ouhouhouhou. Oh, merci mon Hoax, t'es un amour. Merci beaucoup, c'est adorable de ta part. Merci pour ce tir mon Hoax, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Alors, vous avez bien fait miam miam? Allez, on se réveille. On attaque. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Oh, mais c'est pas possible. Allez, réveille-toi. Tu es à terre. On en profite. Et on te tape. Yes, 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 yes. Allez, 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 allez. Oui. Allez, mange-toi ça, somnacante. Attention, esquive. Il est à terre. Et on attaque. Yes. Allez, on va te faire mal. On y est. Mais c'est super ça, Yugo. C'est quoi comme type de vidéo? Tu peux nous en dire un peu plus? À toutes! À toutes, Hoax. Bisous, bisous et bon appétit surtout. On est sur la sirène. Trop bien. On est sur le somnacante.
Et on attaque tout de suite. Yes. Allez, 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 allez. On lui a fait mal. Ouh. Allez. Allez. Une vidéo GMV. Qu'est-ce que c'est GMV? Ah d'accord, game music vidéo. Ok. Mais tu en avais déjà fait par le passé, c'est super ça. Ça me fait penser, tu sais, à Game One à l'époque où ils diffusaient des clips de musique avec des jeux vidéo, c'était tellement génial. Attention, on esquive. Hop, et on retourne au combat. Allez, elle fatigue, elle fatigue là, elle fatigue. Ouf, oulala, là là, saloperie. Allez, relève-toi, relève-toi, Noctis. Waouh. Waouh, attention, attention, faut que je me soigne maintenant. Oui, ouf, j'ai eu chaud là. Là, j'ai eu très très chaud. Ok, elle est partie. On va ramasser les matières premières qui sont sur le sol. On en a une juste là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Génial. Allez, on y go. Ok, sortie de la caverne juste là-bas. Hey, merci Hugo, tu aimes bien? Tiens, regarde, je te montre. J'ai fait une armure, j'ai voulu donner un peu une ambiance sirène. Voilà, donc je me suis créé une armure mermaid. J'ai la petite couronne, tu sais, de la sirène également. Donc voilà, donc c'est un mélange de d'armure coquillage et d'armure spio pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les noms sur Monster Hunter Rise. Et je suis trop content, quoi, d'avoir débloqué ces armures en question. Ces vêtements, ça fait un peu sirène. Mais exactement, mon Hugo. Tu me connais, hein. Tu me connais. Grave, je suis en mode nuisette. Je suis en kiff total, ma Algérina. Je pars du principe que pour combattre et être efficace en combat, il faut être en petite tenue, hein, pour que le vent glisse plus facilement. Ça donne plus de vitesse. Ces vêtements, ça fait un peu sirène. Sexy ta chasseuse, nous écrit Hugo. Ah oui, les droits d'auteur, c'est très compliqué en matière de musique, que ce soit sur YouTube ou bien même un Twitch. Hein. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir streamer ou faire des créations visuelles avec des musiques qui ne sont pas libres de droits, très clairement. Ok, allez, on va se soigner. Attention, on esquive. Je vais me prendre ma petite potion. Hop. Ok, on est bon. Et on continue. Allez, on lâche rien. On tape. Oh, saloperie. Je vais aiguiser mon arme tout de suite. Allez, vite. Allez, on y est presque. Elle faiblit là. Le somnacante faiblit énormément. On peut l'apercevoir parce qu'elle attaque beaucoup moins et elle est beaucoup plus fatiguée. Wouhou! Ah Tao, écoute, franchement, si tu peux me donner son numéro à Posidon, je veux bien, parce qu'il a un très gros trident, et on adore les gros tridents. On adore les gros tridents, hein, qui font des super grosses attaques. Ah, Control, on l'a fait en stream, Control. On avait adoré ce jeu en stream. Il est génial, il est complètement what the fuck. Mais très clairement. Allez, je viens de poser le piège. Viens ici, Somnacante. Viens ici, viens sur le piège. Ok. Ok. Allez, je vais essayer de le capturer. Allez, lève-toi, lève-toi. Lève-toi et fais-toi capturer. Oui! On va réussir à le capturer. Yes, on a réussi. Génial. Ah, mais j'ai adoré Control. On l'a découvert de A à Z en live ensemble. On l'a fait ensemble en live. Et écoutez, c'était mais vraiment un jeu
complètement incroyable du point de vue de la mise en scène, très soignée, avec une histoire à la Stephen King, vous savez, où il y a cette inquiétante étrangeté où on ne comprend rien. On prend en cours l'histoire et c'est un univers qui est assez immersif où on contrôle, c'est qu'elle le dire, une jeune femme qui a des pouvoirs surnaturels et c'est vraiment trop cool. Je vous invite à le découvrir. Il fut gratuit à un moment donné sur le PSN, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, foncez. Comme Hugo vient de l'écrire, il est disponible sur le Xbox Game Pass et ça, c'est plutôt cool. Oh, j'adore ce numéro. C'est vraiment le numéro d'un dieu, hein. Énorme. Hein. Énorme. Par contre, je pense que niveau hors forfait, ça va exploser mon budget, hein, Tao, si j'appelle Poséidon au téléphone, hein, on est d'accord. Moi, j'avais trop peur toute seule sur ce jeu, j'avoue. Trop mignonne, Majerina. Mais je te comprends, parce qu'il est complètement chelou et inquiétant aussi. Et t'as une phase de jeu qui est incroyable, où tu te mets dans un labyrinthe à évoluer et avec une musique métal. Incroyable, la beauté de cette scène, elle est iconique. Je vous la mettrai en lien sur le Discord pour que vous puissiez eh bien la voir si vous le souhaitez. Elle est juste folle, elle est juste folle. Et non, écoute, Alan Wake, je connais bien évidemment. J'ai commencé à le jouer il y a très longtemps et je ne l'ai jamais continué alors que c'est un jeu qui me donne vraiment envie. Donc je pense que je m'y remettrai tôt ou tard. Très clairement, c'est le genre de jeu que j'adore. Vous savez que j'adore les jeux d'horreur, les jeux vidéo d'horreur, et ça fait longtemps d'ailleurs que je n'en ai pas fait sur cette chaîne. Oui, il a été gratuit sur Epic, tout à fait Alan, tout à fait. Et toi tu joues à Control, Alan, tu y as joué du coup? Parce qu'on se connaissait pas encore à l'époque où je l'avais fait en live. Alan Wake, le mec qui met de l'uranium dans sa lampe torche, c'est tout à fait ça. Et il m'a fait peur aussi, Algerina, Alan Wake. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais quand t'étais confronté à des créatures super étranges là comme ça, j'étais en mode « Ah, c'est horrible, ah, ça me fait peur ». Est-ce qu'il me reste des méga potions? Je n'en ai plus beaucoup, il ne m'en reste plus que 4. Je vais tâcher d'en fabriquer. Est-ce que je peux le faire? Oui, ça c'est cool. J'ai pu en fabriquer et ça c'est parfait pour la suite de l'aventure. Ça va nous permettre de nous soigner bien plus facilement en combat. Donc let's go. J'ai quoi? Je reprends des pièges. J'ai besoin de quoi d'autre? Potion défensif, potion de pierre. Un grand oui pour ça. Très clairement, on en aura besoin. Les méga potions sont ici. Je vais les prendre immédiatement. Et ben voilà, c'est cool. On a tout ce qu'il faut. Hey, salut mon Gameball. Tu viens en mode hentai, mon petit coquin. On adore les tentacules sur Noxing Game. Comment ça va, mon Gim-Gim? Trop content de te voir, mon loulou. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. On est sur Monster Hunter Rise jusqu'à 19h30. Notre objectif, c'est de vaincre l'Azuros supérieur. Il est ultra balèze. Il nous a déjà mis KO 2 fois. Donc, je t'avouerai que ça va être un combat qui va être assez difficile, voire très difficile. Mais on ne va pas s'avouer vaincu. On va persévérer jusqu'à pouvoir le mettre KO. Mais j'ai entendu que du bien de Control. Eh bien, écoute, Alan, ça a été pour moi une magnifique découverte. Control, c'est un jeu qui est incroyable. Le gameplay est hallucinant. Par contre, il peut te perdre. Parce que l'histoire, il faut vraiment s'accrocher et il ne faut pas hésiter à lire tout ce que tu trouves sur la map. Parce que c'est tous les textes, tous les mémos, les notes que tu vas trouver en jeu qui vont t'apprendre le lore de ce magnifique bijou qu'est Control. J'ai remarqué que tu avais beaucoup de popo dans ton coffre, ça doit faire pas sentir très très bon, mais oui, en fait, je sais pas où faire caca, donc je fais caca dans mon coffre. Artemis, ma chasseuse, n'est pas très contente, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de faire caca dans les boîtes, dans les coffres. C'est vraiment mon petit fétiche dans la vie, tu vois. T'en as qui sont fétichistes des pieds, moi je suis fétichiste du caca dans les boîtes. Voilà, on est comme ça sur Knocking Game. Est-ce que j'ai mangé du coup? Je me souviens plus du tout. Non, je n'ai pas mangé. Allez, donnez-moi des super bonus, s'il vous plaît. On a besoin de bonus. On a besoin de pouvoir, eh bien, avoir toute notre vie, notre endurance au max, afin de vaincre ce gros monstre. Moi, Alan Wake, c'est comme Dead Space. J'y ai joué sur ma 360. Ah là là, Dead Space, j'y ai jamais joué, mais apparemment, c'était excellent comme jeu d'horreur. Ça se passait donc dans l'espace, avec beaucoup de jumpscares, d'après ce qu'on m'a expliqué, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est trop bien le rétro gaming. C'est trop bien. Moi, j'aimerais bien me mettre sur un stream, mais j'ai du mal, faute de public. Mon Hugo, ne t'en fais pas pour ça. Le plus important, c'est de streamer avant tout ta passion. Et les gens viendront petit à petit pour te suivre et t'épauler dans ton aventure. Donc, ne t'en fais pas. Comme on le dit, Rome ne s'est pas construit en 30 jours, bitch.
Je plaisante, bien évidemment. Tu parles à un mec qui a lu 75% des documents. Yes, Alan, c'est trop bien. Bah, on est tous les deux pareils, on s'intéresse beaucoup au lore, hein, j'ai l'impression de des jeux. Hein. C'est trop cool. Mais exactement, mon Gim Gim, on a tous commencé à zéro personne, et moi, je le répète souvent, j'ai énormément de chance, parce que j'ai la chance de pouvoir partager avec des gens qui sont tellement bienveillants ma passion pour le jeu vidéo, et ça va même au-delà du jeu vidéo sur notre chaîne. On apprend à se connaître, on parle de plein de choses, des sujets qui nous tiennent à cœur, comme des sujets bien plus pipi-caca. Bref, en fait, Twitch, pour moi, c'est une aventure humaine avant tout qui te permet vraiment de rencontrer des passionnés et d'échanger avec des passionnés. C'est ce qu'il y a de plus palpitant en fait, et c'est ce que j'ai toujours aimé. Et Hugo, ne t'en fais pas, je te l'ai déjà dit d'ailleurs en privé lorsque nous avons parlé ensemble en vocal, tout vient à point à qui c'est attendre, et je suis persuadé que tu pourras à nouveau t'épanouir dans cette aventure Twitch. Allez, on va répondre à la demande de participation. Arzuro supérieur. Mes petits bouts, je vais devoir me concentrer, mais au grand maximum, face à cet Arzuros. Parce qu'il fait vraiment mal. Il fait vraiment mal. Ah, les documents, pareil. J'adore les lire. Alors, je ne lis pas tous les documents en jeu, hein, ça serait vous mentir. Des fois, j'ai la grosse flemme. Mais t'as des jeux comme ça qui te happent tellement de par leur histoire que t'as envie de tout connaître. Oui, Dead Space est très rude. Pas moi, je n'aime pas trop la lecture. Mon Hugo. Ben c'est ça, on a chacun des natures différentes, hein, dans un jeu vidéo. T'en as qui sont vraiment portés sur les scénarios, sur l'histoire, le background d'un jeu, ce qui est mon cas. Et t'en as d'autres qui sont plus dans l'expérience, genre je m'en fous et je vais jusqu'au bout. Et en fait, il n'y a pas de façon d'aimer un jeu. Il y a des façons au pluriel, il n'y en a pas qu'une. Et c'est ça qui fait toute la beauté d'une expérience en tant que joueuse ou en tant que joueur. Ok, je prends les potions, les petits trucs. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère que personne ne s'est évanoui. On y va et on va buter de l'Arzuros. Je vais prendre ma potion du démon. Let's go. Je vais essayer de chevaucher le Narkaguga qui est tout en haut. Narkaguga! J'adore dire ce nom. Narkaguga, c'est... Vamos a hablar español porque creo que es una maravillosa lenguaje. So sensual. Si. Tu as dit le mot, Hugo. Juste se faire plaisir. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Se faire plaisir. Et let's go. On y va. Je vais essayer de le chevaucher, ce Narkaguga. Pour pouvoir buter l'Arzuros. Oui, tu es là, Narkaguga. Je te vois, Narkaguga. Je te vois. Ouh. Je crois que je lui ai fait mal. Je crois que je lui ai fait mal. Attention. Waouh! Ok, grosse bitch. Allez, grosse bitch. Tu veux ta jouer comme ça? Ok, je vais t'avoguer. Tiens, mange-toi ça! Merde. Si, j'ai réussi. J'ai réussi. Ok, on y va tout de suite. Allez, je veux te chevaucher, je veux te chevaucher. C'est très bizarre de dire ça, je veux te chevaucher. Ah, par contre, faut que je fasse attention là. Parce que j'ai presque plus de vie. Et ça serait dommage de m'évanouir face à la créature qu'on ne doit pas vaincre. Ça m'embêterait pour mes collègues. Oh purée, ok. Allez, concentration, Notis. Concentre-toi, tu peux le faire. Allez, allez, allez. Je prends un risque là. Je prends un risque en voulant chevaucher le Narkaguga qui peut même mettre KO. Mais on a réussi le risque à porter ses fruits. Allez, on fonce. On fonce, on fonce, on y va tout de suite. Allez. Allez, allez, Notis. Speed, 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 speed. Allez, 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 allez. On y est presque, on y est presque, on a réussi. Ich werde Knight. Je sais pas ce que ça veut dire. Ich werde Knight. Non, non, t'enfuis pas, toi. L'Arzuros, il s'enfuit quand j'arrive. C'est quoi ce délire? Viens ici. Allez, tiens. Tiens. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là. On va te taper, on va te faire mal. Tiens. Allez. Et on continue, tiens, et tiens, et c'est parti, attaque punitive. Ouh, yes. Ah, tu trouves, Hugo? Eh ben, écoute, carrément. Alors, il y en a un qui ressemble encore plus au dragon de DreamWorks, c'est le Puke Puke. Je te le montrerai tout à l'heure, il ressemble vraiment au dragon de DreamWorks. Le Narkaguga, un petit peu moins. Il fait un petit peu plus panthère chauve-souris, le monstre qu'on vient de chevaucher. Allez, on y est presque. Attention.
Il est encore à terre. Là, on lui a fait bien mal. Et c'est tant mieux. Allez, 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 on peut le faire. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, les petits bouts. On va réussir à le vaincre. Hein. Il ne faut pas vendre la peau de l'Arzuros avant de l'avoir tué. Mais je suis persuadé que cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va le faire, ça va le faire. Allez. Oh, mon Blackweed! Merci, mon loulou, d'être là. Et merci pour ta générosité. Oh là 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 là, ça me touche tellement. Comment ça va, mon Blackweed? Tu m'as trop manqué. Comment vas-tu? On a réussi à l'aveugler, ça c'est l'effet Blackweed. Il arrive et je réussis à aveugler le monstre. Si c'est pas magnifique tout ça. Ok, allez, réveille-toi. On va se prendre une méga potion tout de suite. Mais ça va très bien, écoute. Merci mon Blackweed. Merci beaucoup. Très content de vous retrouver en stream. Écoute, normalement on devait streamer ce soir à 19h30, ce qui sera toujours le cas d'ailleurs. À 20h30, pardon, on se retrouvera sur du Mythopia. Mais j'avais envie de vous retrouver avant. Voilà, j'avais envie de vous retrouver avant. Donc je me suis dit, allez, on va bousiller du monstre sur Monster Hunter. En l'occurrence, c'est plus les monstres qui me bousillent. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis très mauvais hein, aujourd'hui. Hein. Très 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 mauvais sur Monster Hunter. Je suis pas du tout efficace en combat. Oh cool, tu vas jouer à Sea of Thieves. Tu sais que je n'y ai jamais joué. Tu m'en as parlé à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai vu Pokitom, tu sais, un ami streamer, qui a fait du Sea of Thieves avec ses amis. Et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Mais niveau gameplay, je sais pas du tout ce que ça vaut, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est un jeu que tu me conseillerais, Blackweed? Coucou ma Sam! Trop content de te voir, ma Samouille! Comment ça va? Oh, c'est bizarre de t'appeler Samouille. C'est quoi ce surnom? Samouille? Non mais dis donc. Comment ça va, ma Sam? Non, non, faut pas que je prenne ma potion tout de suite. Sea of Thieves à plusieurs, c'est délire! Et je peux vous poser une question d'un gamin de 4 ans? Parce que vous savez que je suis fasciné par les sirènes. Et est-ce qu'il y a des sirènes sur Sea of Thieves? Parce que c'est un truc avec des pirates et tout, donc peut-être qu'il y a des sirènes. J'ai trop envie de voir des sirènes. Genre c'est ma passion, quoi. C'est ma passion dans la vie, les sirènes. Ok, là il fatigue. Ok. Aïe 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 aïe, saloperie. Ok, vite, casse-toi Noctis. Ok, soigne-toi tout de suite Noctis. Ok, esquive. Et... attention, il fait son super coup. On attaque. Oh là 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 là. Oui, il y a des sirènes. Trop bien. Oh là 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 là. Il faut trop que je regarde des vidéos pour voir les sirènes, à quoi elles ressemblent. Sur Sea of Thieves. Ah, celle avec Jack Sparrow. Non mais autant Pirates des Caraïbes, c'est pas genre... Enfin, je suis pas fan des films Pirates des Caraïbes. Je les trouve bien, mais je suis pas fan. Et autant La Fontaine de Jouvence, je crois que c'est Pirates des Caraïbes 4. La scène avec les sirènes, elle me donne des frissons. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette séquence sur Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Mais franchement, j'avais les tétons qui pointaient, quoi. Tellement qu'elle était trop belle. Il est pas trop gourmand le jeu? Ok, ma Samouille. Je n'ai rien senti mouiller. On est foufou, ma Sam. Hein. On est foufou, ma Sam, toi et moi, quand même. Hein. Franchement, là, ça va pas du tout, quoi. Ok, viens ici, viens ici, viens ici. Allez, on va finir ce stream en beauté. Je vous rappelle qu'on se retrouve hein, ce soir à 20h30 pour du Mythopia. Et que là, depuis 17h30, on est sur Monster Hunter Rise. Petit live complètement improvisé. Et je sens qu'il est improvisé, le live. Alors, je le sens. Je le sens. Je suis tellement mauvais aujourd'hui. Alors, d'habitude, je suis loin, mais très très loin d'être ultra performant en combat sur Monster Hunter Rise. Mais là, je suis particulièrement mauvais. Hein. Alors, je sais pas, je suis trop stressé. C'est le stress. C'est le stress du direct. Voilà. C'est stress du direct. J'ai trop d'émotions. Allez, c'est parti, il est à terre. On y va. Allez, 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 allez. Crève, 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 crève. Esquive. Wouh. Esquive, 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 esquive. Allez, allez, les gars. On en va, on s'en va, on s'en va. Je vais essayer tout de suite de déguiser mes armes. Je pense que on en a bien besoin. Allez, on va l'avoir, il est capturable. Mon dieu, il est capturable. Ok, il est capturable. Oh mon dieu. Ok, je vais essayer de le capturer tout de suite. J'ai un piège normalement. Électrochoc juste là. On y va tout de suite. Oh mon dieu. Ok. Ok, c'est le moment où jamais. On va essayer de le capturer maintenant. Allez, viens par là. Viens par là. Oh mon dieu, mon dieu. Allez, prends-toi le piège. Mais non, il était à côté du piège. Quel bitch. Ah putain, il s'en va en plus. Il s'en va, il s'en va. J'ai posé mon piège pour rien, les boules. Allez, on fonce.
Il boite. Mon Dieu, on va réussir à le buter. Je vous avais dit que ça allait nous porter bonheur de faire le somnacant avant. On va réussir à le buter. Oh my god, on va réussir, les hiboux. Allez, on l'aveugle. Maintenant. Ok, ça n'a pas marché. Ceci s'appelle un fail. Allez. Ah, saloperie. Ok, tu veux te la jouer comme ça. Je comprends. Ok. Allez, je vais retenter de le capturer avec un autre piège. Allez, viens là. Viens à moi. Viens jusqu'à moi. Oui, tu es sur le piège. Allez, viens. Bon, on l'a buté avant, c'est cool. Il a pas eu besoin du piège. Au moins, on l'a buté. C'est trop cool, on a réussi, les hiboux, on l'a fait. Enfin, c'est plus mes collègues qui ont réussi, hein, on va pas se mentir. J'ai bien galéré. Mais on l'a fait! Je suis trop content, on l'a fait. On a réussi la quête événement et là on a réussi l'art zéro supérieur. Trop content. Mais ce n'est pas terminé. Merci mon Yogo pour le GG, ce n'est pas terminé. Puisqu'il nous reste encore une bonne petite demi-heure de stream. Et ce que je vous propose maintenant, avant notre pause, hein, on se retrouve ce soir à 20h30 sur Mythopia pour faire l'avant-dernier royaume, le royaume de Faerik. Et on doit sauver les trois fées, la fée Nicki Minaj, Doja Cat et Ariana Grande. Voilà, qu'on doit sauver ce soir. Et oui. Mais on fera une petite pause de 19h30 à 19h30. Et on se retrouvera à 20h30. Mais ce n'est pas terminé puisqu'on va affronter le dernier monstre. Alors, je joue sur mon PC portable en GTX, ok, et il est pas trop gourmand, nous écrit les hiboux concernant Sea of Thieves, ok, bah faudrait que je regarde ça de mon côté. Faudrait que je regarde ce jeu de côté, ça pourrait être cool de le découvrir, de faire un petit live découverte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des lives découvertes. Ça serait bien, ne serait-ce qu'un petit test dessus pour voir ce que ça donne, et voir si j'accroche sur Sea of Thieves. Ça peut être pas mal. Prends-le sur Instant Gaming. Ah mais grave, sur Instant Gaming, je valide le conseil de Sam Peak. C'est excellent puisque tu as vraiment des bonnes remises. Hein. Je crois que ça peut aller jusqu'à moins 70% sur les jeux. C'est plutôt cool. Hein. Plutôt cool. Ok, allez, on va reprendre des méga potions et on va affronter à nouveau un monstre supérieur, les petits hiboux. Il nous reste une petite demi-heure pour pouvoir le tuer. Est-ce que nous allons réussir? J'en suis persuadé. Je suis persuadé que nous allons réussir. Je peux pas faire de méga potions parce qu'il me manque du miel. Donc je vais aller direction Pipoil pour pouvoir récupérer du miel. Normalement, j'en ai mis dans le sous-marin. Ce qui va me permettre de pouvoir faire de l'artisanat. Oui, j'en ai beaucoup. Allez, je vais tout prendre. Merci la madame. Merci madame de l'Argozizi. Ah, toi tu veux me parler? Qu'est-ce que j'adore cet endroit. Je crois que c'est l'un de mes endroits préférés sur Monster Hunter Rise. C'est la place Pile-Poil, je la trouve magnifique. Prends le pass Xbox à 1€ et tu le testes avec moi. Mais ma Sam, tu sais quoi? Le pass Xbox, le Xbox Game Pass, je l'ai déjà pris deux fois. Donc maintenant il me reviendra plus à 1€, je crois que c'est 10€. Mais j'ai dû l'annuler à chaque fois parce que le problème c'est que je joue pas aux jeux en fait qui sont dessus puisque je stream sur d'autres jeux. Mais c'est une très 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 bonne suggestion ma Sam. Clairement, si vous n'avez toujours pas pris le Xbox Game Pass, n'hésitez pas à solliciter ce service. Puisque comme Sam vient de l'écrire, le premier mois vous le payez 1€ et vous avez accès à une multitude de jeux. Je pense notamment à des jeux comme Medium qui viennent de sortir. Vous avez donc Sea of Thieves. Vous avez plein d'autres jeux aussi qui sont disponibles comme les Life is Strange, si je ne dis pas de bêtises. Les jeux Electronic Arts également. C'est une tuerie, l'Xbox Game Pass. Bisous mon Blackweed, bonne partie à toi et merci d'être passé. Ah oui, tu as Grounded aussi, le petit jeu où t'incarnes des enfants qui ont été réduits là. Oh là là, il est bien, tu l'as testé Sam. Il y a un autre jeu aussi que je te conseille, Sam, si tu ne l'as toujours pas fait, c'est The Blackout Club. Il est génial, tu joues avec des potes, c'est trop stylé. Ça raconte l'histoire d'une ville dont les adultes ont été possédés par une entité et ces adultes en question sont devenus les esclaves de cette entité, de cette forme. Et du coup, c'est des gens somnambules qui t'agressent.
Et toi, les ados sont les seules personnes à être encore debout, réveillées, et tu dois échapper à cette forme. Voilà, c'est le synopsis de The Blackout Club, qui est vraiment un jeu très très cool en matière de mécanique aussi quand tu y joues à plusieurs. Ok, donc maintenant on l'a fait, on retourne au grand camp pour manger. Ah mais grave Chachou, hein. Chachou écoute, à chaque fois on voulait faire des parties tous les deux, mais génial The Blackout Club, il est vraiment trop cool comme jeu, j'y jouais beaucoup il fut un temps avec un membre de notre commu, Machinette d'amour, et Mamie Kichou, mais c'est vrai que j'ai arrêté depuis très longtemps, et j'en ai que des bons souvenirs sur ce jeu là, vraiment. Remakubizou, comment ça va Makubizouzouzou? Trop content de te retrouver. Tu as mangé? Tu as fait miam miam? Il est peut-être un peu trop tôt pour manger cela dit, hein. Moi ce soir j'ai hâte de manger là, j'ai hâte de manger, je fais que de manger. Je vais me préparer un bon petit riz au curry, accompagné d'une petite salade feta, olive verte. Oh mon dieu. Oh t'es rentré chez Pookie, tu fais plein de gros bisous à Tom. Tu l'embrasses fort de ma part. J'avoue que Sea of Thieves, nous écrit Sam, ça a été une découverte de malade. Trop contente que mon pote m'ait poussé à le prendre car c'est un coup de cœur. Bah écoute Sam, moi ce que j'aime sur cette chaîne Twitch et sur Twitch en général, c'est que vous me conseillez beaucoup de choses et à chaque fois je suis vos conseils et je ne suis absolument pas déçu. Je pense à des mangas qu'on m'a conseillé comme The Promised Neverland. J'avais lu qu'un manga dans ma vie, Sakura. Je suis à fond sur Promised Neverland. On m'a conseillé aussi plein de jeux que j'ai pu faire grâce à vous. Bah, Monster Hunter Rise en fait partie d'ailleurs. J'adore. C'est vraiment à chaque fois de totale découverte avec vous et ce que vous me conseillez, que ce soit sur notre Discord ou sur notre chaîne Twitch, c'est un pur régal. Donc Sea of Thieves, je l'inscris là et je le ferai. Alors j'ai beaucoup de jeux, je vais pas te mentir que j'ai très envie de tester, donc ça sera peut-être pas demain, mais je le ferai clairement. Et en plus si je peux jouer avec toi, j'en serai très heureux, vraiment. Moi aussi j'ai hâte de manger la tarte aux oignons, oh là là, et aux graines de cumin, mon dieu, que bisous! Kyubizou, je suis désolé de me mettre dans cet état-là parce que déjà d'une, quand on parle de bouffe, ça m'excite énormément. Je bande quand on me parle de nourriture. Et en plus de ça, mes tartes aux oignons. Je kiffe les oignons. La phrase du jour, les oignons, je pourrais t'en mettre à toutes les sauces, dans tous mes plats. Je kiffe mes puissances 1000 et les tartes aux oignons, mais c'est un délice. Et je te conseille aussi, si tu aimes le fromage, de mettre un petit peu de confiture aux oignons sur ton fromage. C'est une tuerie. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que tu prends un couloumier bien puant, avec des petits oignons que tu coupes en fines lamelles, avec de l'huile d'olive, du sel, du citron et du poivre. Tu les mets dans ton sandwich de couloumier qui pue, tu manges ça et c'est... Ah, je te parle, je sais pas si ça s'entend, je suis en train d'écumer, c'est un délice, le sandwich coulommier aux oignons, un bonheur, oh my god, oignons, coquillotes sur du pain, mais oui, mais non, Pouty déteste le fromage, franchement, Pouty, t'as de la chance que je t'aime, parce que très sincèrement, le fromage, pour moi, c'est la base de mon alimentation, mais je l'accepte. Oh my god, oignon cacoté sur du pain, je fais la même soupe à l'oignon de la terre. Non mais c'est trop bon, tout ce qui est à base d'oignon c'est trop bon. Tu peux en mettre partout, très sincèrement. Les oignons, les poivrons, enfin tout ça c'est un pur régal. Que ça soit en tarte ou autre. Oh, vous m'avez donné trop faim les bouts, je vous jure. Allez, on va créer nos méga potions, on en a bien besoin. Super, on en aura assez normalement maintenant pour pouvoir vaincre notre créature supérieure. Je vais juste enlever ma tête, à tout à l'heure. La méga potion est juste là, nickel. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut au niveau du stuff? Non, il nous manque les pièges, il faut que je reprenne les pièges. Où êtes-vous? Vous êtes là. Hop, nickel. Et bah on est parti, nickel. Là on a tout ce qu'il faut au niveau de notre inventaire. Ah là là, le bon camembert, Alan, et le morbier, un bon morbier, c'est l'un des fromages que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, quand j'étais très petit, je vais vous raconter ma vie. Allez, on va se faire une petite pause de 2 minutes avant de reprendre la dernière étape de notre stream de ce soir sur Monster Hunter Rise. Faut savoir que quand j'étais petit, j'étais gravement asthmatique. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que du coup, ma mère m'a emmené dans des cures thermales en Auvergne. Plus précisément à la Bourboule. J'adore quand on bourre le boule. La Bourboule, c'est la vie. En Bourboule, j'ai eu l'occasion de découvrir des fromages, mais extraordinaires.
comme le Saint-Nectaire. Genre l'Auvergne, c'est le pays du fromage. Hein. En France, c'est le pays du fromage. Et c'était un pur régal. Je vous jure les bouts. Je vous jure, ça a été, mais pour moi, mais un coup de foudre avec le fromage cru. Et vous pouvez demander à Charès de la mort qui pouette pouette, qui est donc ma modératrice et avant tout ma sœur de cœur, qui me connaît depuis que j'ai 7 ans, donc ça fait à peu près 10 ans. Et c'était juste exceptionnel, exceptionnel ce qu'on vit avec Charès lorsqu'on se voit sous 40 degrés dans le sud de la France, on se fait des raclettes. Donc que ce soit fromage cru ou fromage fondu, je peux vous garantir que si vous voulez me rendre le plus heureux des hiboux, n'hésitez pas à me faire manger du fromage. C'est le plat de base. Pizza 4 fromages, c'est la base. Par contre, la soupe à l'oignon, nous écrit Q-Bizou, j'en ai acheté une qui était nulle, je suis triste, j'en ai jamais goûté une bonne. Q-Bizou, tu me diras en MP quelle est la marque de cette soupe dégoulasse, et j'écrirai un courrier. Call me the manager, bitch, give me a break. Call me your manager, je vais faire ma grosse carène. Pas mal le Morbier, nous écrit Alan. J'aime aussi la tome, mais oui, c'est très bon la tome. Tom et Jerry, tout ça, on adore. Viens, je t'en fais une. Oh oui, touche chez Sampi pour manger une soupe à l'oignon. Mais c'est trop bon les soupes à l'oignon, c'est un délice. Mais sincèrement, j'ai découvert ça, en plus il n'y a pas très longtemps les soupes à l'oignon, vraiment. C'est juste super bon. Finalement, je l'ai utilisé pour cuisiner. Viens, je t'en fais une. J'avoue que Sea of Thieves, ça a été une découverte de malade, nous écrit Sam. Oui, moi aussi, j'ai hâte de manger avec les cumin. Ah oui. Ah, c'est tellement bon. C'était une marque très nulle. Oh, je pleure quand je la fais. Oui, mais ce sont des larmes de joie. Parce que tu as qu'une hâte, c'est de manger cette soupe à l'oignon. Ma Sam. Et c'est pour ça que tu pleures. Alors, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le fait de pleurer quand on découpe un oignon, c'est tout simplement un mécanisme de défense de l'oignon. C'est-à-dire que l'oignon, comme vous le savez, vient de la terre et a du soufre. Et lorsque vous écrasez l'oignon en le découpant, en fait, vous écrasez le soufre qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui, en fait, dégage cette espèce de vapeur qui vous fait pleurer. Donc apparemment, il existe plusieurs méthodes pour ne pas pleurer quand vous épluchez un oignon. Légende urbaine, Vera, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. En tout cas, chacun sa méthode. Il y a plusieurs petites astuces. Il y en a qui te le mettent sous l'eau pour ne pas pleurer. Il y en a d'autres qui coupent délicatement. Bref, si vous en avez une qui marche, dites-le moi. Parce que à chaque fois que je découpe un oignon, je suis la Vierge Marie, quoi. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je porterai un voile, Marie, laisse tomber, quoi. Jérusalem, la totale, hein, avec un oignon. C'est quand même assez incroyable. Incroyable tout ça. Moi, je pleure pas, je suis un bonhomme. C'est faux, mais... Chut, hush, hush. Non, mais c'est horrible quand tu pleures en découpant un oignon. T'es au bout de ta vie, en fait. Ah, l'astuce, c'est les oignons prédécoupés picards. C'est très pragmatique, ça. Très terre-à-terre. On adore, moi, Alan. Il ne faut pas respirer avec le nez, juste avec la bouche ou l'anus. Tu peux respirer par l'anus, Sam. Je pense qu'en respirant par l'anus, ça peut permettre également aussi de te sécuriser au niveau de la découpe de l'oignon. Je sais que les plus grands chefs en cuisine donnent cette astuce-là aussi. Je vous l'avais dit que c'était bien le capitaine de l'entreprise. Mais oui, coucou la piquante, nous écrit Gimbal. Oh, on adore ce qui pique. Je pleure pas, moi mon astuce c'est les oignons prédécoupés, il ne faut pas respirer avec le nez, oh là là, miaou, mais c'est impossible de respirer par l'anus, que bisous, bien sûr que c'est possible, je t'expliquerai par MP si tu veux. T'en en dis des conneries, c'est pas possible, franchement, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Hé, hey, tiens Sam, et les petits bouts qui étaient pas là tout à l'heure, regardez ce que je me suis acheté, des tasses Pokémon, des tasses qui retracent l'évolution d'Evoli. On a Evoli, on a Aquali, la meilleure, bien évidemment. Et on a aussi Pyroli, voilà. Donc voilà, c'est les petites tasses, les petits mugs, les mini-mugs, voilà, que j'ai trouvé. Et je savais que tu allais aimer ma chachou, je savais. Tu aimes Sam? Eh bien écoute, j'adore, regarde-moi la beauté de cette tasse. Attends, je vais te mettre en mode TTBM, hop. Regarde-moi la beauté de cette tasse. Franchement, je suis tombé amoureux quand je les ai vues, hein. Franchement, je n'ai absolument pas résisté à la tentation. Mais comme dirait Afida Turner, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder, bien évidemment, les hiboux. Elles sont stylées, mais oui, mais tellement, tellement stylées. Tu me comprends mieux, du coup, ma Sam, hein. Ça fait plaisir, ça me rassure. Mes petits hiboux, allez, on va poursuivre
la dernière étape de ce live, avant de nous retrouver à 20h30 pour du Mythopia, on va affronter un autre monstre supérieur. Il me semble que c'est un Ratian. J'ai récupéré mon colis avec mes nouveaux vêtements. Yes, Cubizou ! Hey, est-ce que tu connais Cubizou ? On m'a parlé du site QWERTY. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Je ne sais pas si c'est là où tu as passé commande, mais on m'a dit que c'était un super site pour avoir plein de t-shirts super classe en mode geek. Et c'est vrai que du coup, j'ai zioté ce site-là et t'as des visuels mais qui sont magnifiques. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la politique de QWERTY. Est-ce que QWERTY rémunère les artistes qui créent ces visuels pour les t-shirts ? Mais en tout cas, c'est juste trop beau. Vraiment, c'est super joli. Attends, je te note le nom ici. Ça s'appelle QWERTY comme ça, si je dis pas de bêtises. En tout cas, t'as des super beaux t-shirts, donc si ça vous intéresse, les petits hiboux, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, vous pouvez y jeter un œil ou deux, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Allez, c'est parti, accrochez vos ceintures, les hiboux, on retourne sur du Monster Hunter Rise. Partons à la chasse d'un monstre supérieur. Let's go. À tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous sur Nottingham, merci d'être là. Nous poursuivons notre aventure sur Monster Hunter Rise, dernière étape de ce stream. Nous devons, eh bien, vaincre un monstre supérieur. On a mis tous les objets qu'il fallait, maintenant il nous reste plus qu'à manger. Et on file direction le Ratian supérieur. Il me semble que c'est un Ratian si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Donc c'est parti. Panneau des quéquettes, réponse, demande, participation. Et il me semble qu'on avait donc une autre créature supérieure qui était ici. Et c'est bien un Ratian. Créature ô combien balèze. Let's go. On va rechercher une session afin de jouer en multijoueur. Je vous rappelle que sur Monster Hunter Rise, il y a deux manières de jouer. Vous avez les quêtes village qui vous permettent de jouer en mode solo, où vous êtes seul, accompagné de votre Chumsky et de votre Palico, afin de mener à bien vos quêtes. Ou alors, vous avez le mode multijoueur, et c'est en ça que réside tout l'intérêt d'un Monster Hunter, où vous pouvez jouer avec soit vos amis, soit des personnes complètement random. Et c'est vraiment trop cool. Hey, les Ratians, c'est ta hantise, Majerina. Mais ils sont balèzes, les Ratians, franchement. Je pense que le monstre que je déteste le plus sur Monster Hunter, c'est le Kezu. C'est pas le plus balèze, mais c'est le plus relou. Déjà, il ne fait que d'hurler. Un peu comme moi. Et en plus de ça, il ressemble à une grosse quéquette flaccide, donc c'est assez déstabilisant quand tu es amené à combattre un Kezuzu. Vraiment. Je sais que je suis assez, à chaque fois déconcerté face à un Kezu, et un grand chasseur a dit face à un Kezu, n'ouvre jamais la bouche. Voilà. Donc je pense que c'est un conseil qu'il faut absolument appliquer lorsqu'on est confronté à ce genre de créature, bien évidemment. T'as vu que Kyubizu, ils sont super stylés, hein? Les t-shirts, hein. Je te l'avais dit. Et je suis trop content que tu les apprécies. Allez, je vais essayer de prendre une potion. Ce soir, je me lâche, les bouts. Je me lâche. Je dis que des conneries ce soir. Je suis tellement en PLS sur Monster Hunter Rise aujourd'hui que je dis vraiment des bêtises. Je dis des grosses conneries. C'est surtout qu'il se barre toutes les 5 minutes. Ah ouais, non, mais tu passes ton temps à courir après. Hein. Et d'ailleurs, Algerina... si tu as l'occasion, j'aimerais beaucoup jouer un jour avec toi à Monster Hunter Rise. Donc si tu es disponible, je serai ravi de pouvoir jouer à tes côtés une fois que tu auras le jeu, bien évidemment. Sache que j'en serai très heureux. Ouais, il est vraiment génial ce site. Hein. Et effectivement, au niveau des livraisons, je crois que c'est entre 3 semaines. Il me semble que c'est entre 2 et 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Oh, la Ratian supérieure est là, regardez, elle est magnifique. Waouh. Elle est superbe. Ok, on y va. Maintenant. Ouh. Oh putain, ça commence mal. Ok. Ça commence très mal. Ok, on y va. Viens là, grosse bitch. Allez, viens là. Maintenant. Oui, on l'a mise à terre. Cool. Tiens, mange-toi ça. Ça, c'est pour vouloir nous manger. On va te terrasser. Eh bien, c'est avec grand plaisir, Algerina. C'est moi qui serais trop heureux de pouvoir jouer avec toi. Et sache que j'en serais ravi. Donc, n'hésite pas une seule seconde. C'est vrai que ces derniers temps, je stream beaucoup de jeux solo.
Je suis dans ma phase un peu jeu solo. Mais c'est toujours un bonheur de partager avec vous et de jouer avec vous. Donc sachez-le. Hop. Ouh. Ok, m'empoisonner. Il faut vite que je me soigne tout de suite. Sinon, ça va faire de gros dégâts. Ok. C'est bon, je suis soigné. Merci. Je prends tout de suite ma méga potion. Et on avance. Ça a soigné mes collègues au passage. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, on attaque. Oh là 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 là. Ok, on y est presque. Il faut qu'on la bute, cette ration. Allez, Noctis. Elle s'enfuit. Ok. Est-ce que j'ai des matières premières à ramasser? Oui, juste là. Ok, c'est pas de refus. Et j'ai cru en voir une à proximité également. Peut-être que je dis une bêtise. Non, il n'y en a plus. Ok. On y va, on fonce. Je vais prendre le miel parce que j'en manque cruellement. C'est ce qui va me permettre de créer des méga potions, le miel, lorsqu'il est combiné aux herbes. Sachez-le, les petits bouts. Lorsque vous récoltez plusieurs matières premières en jeu, ça vous permet vraiment de créer des objets qui vous seront très utiles, notamment dans le cadre des combats. Et ça, ce n'est absolument pas négligeable. Allez, 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 allez. Tiens, mange-toi ça. Allez, on va te faire mal, on va te faire mal, ration de malheur. Wow. Putain, elle est impressionnante. Elle est magnifique. Alors, les rations sont uniquement des femelles. J'ai appris ça dans le lore de Monster Hunter. Vous ne trouverez jamais un ration mâle. Ce sont toujours des femelles, les rations. C'est vrai que c'est très intéressant, le... Comment dit-on, le lore de Monster Hunter. On pourrait croire que c'est un jeu où tu fais que de te castagner, si je puis dire, mais il y a vraiment une histoire derrière, derrière le jeu, et c'est vraiment, vraiment très très cool quand tu t'y intéresses de plus près. Je suis là. Allez. Viens là, saloperie. Ah, saloperie. Attention, elle m'a empoisonné encore. Ok, je me soigne. Et on y va. Allez, mets-toi à terre, s'il te plaît. Je vais prendre à nouveau du miel. Wow, elle attaque, elle attaque, elle attaque. Ah non, d'accord, il s'évanouit. Ça va, il nous reste deux essais. C'est pas grave, ça arrive. Moi-même, ça m'est arrivé plein de fois tout à l'heure de m'évanouir. Donc c'est pas un souci. Par contre, je suis encore empoisonné. Et ça, c'est pas cool. Donc je vais tout de suite prendre un antidote. Ok, je suis plus empoisonné. Super, c'est pas resté très longtemps. Allez, allez à terre. On fonce. Le point sensible sur un ration, enfin une ration, pardon, c'est le visage. Donc il ne faut pas hésiter, quand vous êtes confronté à une ration, de bombarder son visage dès que vous pouvez, parce que c'est vraiment là où est le centre névralgique en fait de la ration. Ce qui n'est pas le cas de tous les monstres. Hein. Vous avez certains monstres qui sont tellement blindés de par leurs écailles qui sont aussi épaisses que de l'acier, que de les taper sur la gueule, ça ne fait strictement rien. Allez, mange-toi ça. Ok, 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 tu veux la jouer comme ça. Tiens, je t'ai aveuglé normalement et je l'ai mise à terre grâce à la bombe flash. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on continue à lui faire mal. Allez, on y est presque, on y est presque, mon dieu. Là, on lui a vraiment fait mal. Hein. Ça rattrape les candidats, pardon, les combats un peu merdiques que j'ai fait depuis tout à l'heure. Hop. Allez. Allez, on y est. Mange-toi ça. Ouh. Ok, attention, elle va attaquer. C'est bon, elle a attaqué. Maintenant, je tape. Wow. Maintenant. Ah, fuck. Maintenant, yes. Ok, on lui a fait mal. Wow, 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 wow. Attention, attention. Elle fatigue. Elle fatigue vraiment là. Là, je la sens épuisée. Faut en profiter. Ok, je vais aiguiser mon arme tout de suite. Parce que là, je lui fais moins de dégâts. Puisqu'elle est quand même pas mal émoussée. Ok, j'ai décidé d'aiguiser au moment où il ne fallait pas. Au moment où elle est à terre. Bien joué, notre petite. Allez, allez, allez. Viens là, viens là, viens là. Ouh! Allez, à terre encore. Bah, décidément, on lui a coupé la queue. Mon dieu, circoncision. Voilà, on a fait une circoncision.
mais... Ouf. Ok, vite. Oh, je suis tombé KO. Non, c'est bon, je suis pas KO. J'ai eu très très peur là. Je pensais que j'allais être KO. Allez, faut que je rejoigne vite les copains. Allez, on y va. Allez, faut que je monte le rejoindre des copains. On va passer par là. Ok, elle a fui. On continue. Ok, on va passer par là. Elle est capturable. Donc ça, c'est plutôt cool, les bouts. On a réussi à bien l'affaiblir. Donc maintenant, on va pouvoir la capturer. Si on souhaite, bien évidemment, la capturer. Ce n'est pas une obligation. Mais pourquoi pas? Hop, on aura beaucoup plus de matériaux si on la capture. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Ok, tu es où, petite bitch? Tu es par là, d'accord. On arrive, on arrive. Hop. Ok, je te vois, tu es là. Ok, tu dors. Allez, piège! Ok, le piège n'a pas fonctionné. Forcément, elle a décidé de voler juste au-dessus. Oh, saloperie, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Je la trouve, mais sublime, la ration. C'est ça aussi, la force de Monster Hunter, c'est de nous proposer des monstres, mais de toute beauté, quoi. C'est tout l'intérêt du jeu, hein, de toute façon, les monstres. Bien évidemment. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire. Elle n'est pas non plus aboutie de fou, mais les monstres sont vraiment très beaux. On a réussi, les bouts! Je suis trop content! On a réussi à buter la ration. Mais c'est trop cool! On l'a fait! On a eu du mal en début de live, hein, notamment contre l'Arzuros qui nous a kill deux fois. Et là, franchement, ça s'est très bien passé avec la ration. Je suis super content. Merci, les bouts. Merci à nos coéquipiers là qui étaient présents, parce que ils ont été au top. Vraiment, c'est une communauté au top sur Monster Hunter, hein. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir des gens qui sont aussi bons joueurs, aussi passionnés dans un jeu. Et très sincèrement, les petits bouts, si vous hésitez encore à vous procurer Monster Hunter Rise, n'hésitez plus. C'est un jeu qui vous permet vraiment de vous détendre, d'avoir beaucoup de fun et qui a un réel background avec un apport trop chouette. La durée de vie est excellente. N'hésitez plus une seule seconde à vous procurer Monster Hunter Rise. On a réussi, les bouts, on l'a fait! Je suis trop content! Yes! Ah, ça fait trop plaisir! Wouhou! Ok, on a reçu pas mal de matériaux en plus, c'est trop cool. J'ai pas envie de terminer, je suis tellement à fond dans le jeu. Vas-y, je vais continuer encore. Franchement, je vais continuer encore un petit peu. Et puis après tout, il est pas 19h30. Donc, c'est pas grave. On va continuer. Et on va voir les prochaines missions qui nous sont réservées. On avance là. Hein. On avance au niveau de notre rang de chasseur. Hein. C'est trop cool. Merci mon Bénou pour le GG, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, mon Bénou d'amour. Et du coup, t'as pu continuer un petit peu le roller, là? T'en refais avec le loup? Vous en avez fait à Limoges, chez vos potes? Ok, donc du coup, je vais reprendre un piège électrique. Ça serait pas mal, le futur Zelda en coop. Ce serait, mais... Pff, une tuerie. Une tuerie. T'imagines? Ce serait tellement génial. Mais sincèrement, j'adore l'aspect coop dans un jeu. Et de plus en plus, les jeux vidéo sont très hybrides, tu sais, entre les phases solo, entre les phases coop, c'est vraiment, vraiment un pur plaisir. Ok, j'ai tout ce qu'il faut au niveau de mon inventaire. J'ai les potions. On a surtout bu et mangé. Ah là là, la base. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. J'ai vu que vous êtes bien amusé aussi avec les jeux de société. Et ça, il n'y a rien de plus génial que d'être avec ses proches, avec ses amis et jouer à des jeux de société. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, encore merci de m'avoir fait découvrir le Skyjo, puisque je le fais découvrir à tous mes amis maintenant. Yes! Super! On a eu le Dango supérieur, ce qui nous a donné pas mal d'avantages.
Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai assez de bombes tranquillisantes? J'ai pas vu si j'en ai pris. Ouais, c'est bon, j'en ai assez, j'en ai 5. C'est cool. Donc c'est parti. On va pouvoir aller... Hop, 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 hop. Oui, ça, ah d'accord, c'est le Harry Potter Hogwarts Battle. Mais je connais absolument pas ce jeu. C'est fou parce qu'on en parlait justement avec les petits hiboux en début de live. On parlait d'Harry Potter, notamment avec Tao. Et je lui ai expliqué à quel point j'aimais Harry Potter et cet univers. Bah, toi-même, tu le sais, mon Bénou. Et je ne connaissais absolument pas Harry Potter Hogwarts Battle. C'est quoi comme genre de jeu du coup? Grand expert. Ok, on a le Ratang. Le Ratang, il est balèze. Et après, on a les défis de Utashi le maître. Bah, vous savez quoi? Demain. Vers les midi, on va streamer sur du Monster Hunter. Donc en gros, l'objectif de notre live de demain vers les midi, ce sera de faire les 5 défis d'Utashi le maître. Oh, ça va être balèze, hein. Oh là 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 là, ça va être balèze. Ok, donc pour terminer le stream, on va affronter le Rajang qui est l'une. Oh, mon dieu, je l'ai dit pour l'Arzuros, mais avant l'Arzuros, il y avait le Rajang qui est tellement balèze. Je ne sais pas pour celles et ceux qui jouent à Monster Hunter Rise, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi le Rajang, c'est l'une des créatures les plus puissantes sur le jeu. Mais un truc de fou. Même l'Ibuchi du vent et le Narwa, qui sont deux divinités, sont bien plus simples en matière de pattern et bien à mettre KO. Mais le Rajang, il est... moi j'y arrive pas, je trouve mais trop balèze. C'est un truc de fou. Le jeu de plateau en équipe avec plein de possibilités, il est vraiment vraiment bien. Bah écoute mon Bénou, s'il vous appartient, je serais ravi qu'on puisse le découvrir ensemble, très sincèrement. J'ai vu que sur PC, sur Steam, c'est un membre de ma famille qui m'a fait découvrir ça. Coucou mon Tony Skip. Ça s'appelle Tabletop Simulator et ça vous permet de jouer à plein de jeux de société sur votre PC. Et oui, il existe pas mal de jeux de société disponibles sur PC. Je pense notamment à Mysterium, à Cluedo et tant d'autres comme le Uno. Donc c'est plutôt cool de se faire des petites sessions comme ça, jeux de société. Je le répète encore, ça serait vraiment cool que je prenne le temps de faire ça en live. Hein. Avec celles et ceux qui seraient intéressés de jouer avec moi des jeux de société, ça pourrait être vraiment trop 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 chouette. Allez, c'est parti mes petits bouts, bienvenue à tous sur Nightingale, merci à vous d'être là, merci pour votre soutien, tout l'amour que vous m'apportez depuis que j'ai créé cette chaîne il y a bientôt 2 ans. C'est bien simple, dans 13 jours, ça va faire 2 ans que la chaîne a été créée. Et écoutez, depuis ces 2 ans, j'ai énormément d'amour, j'ai énormément de bienveillance grâce à vous. Merci pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs sur la chaîne, et vous pouvez pas savoir à quel point pour moi c'est le plus beau des cadeaux de savoir que vous êtes là, que vous êtes à mes côtés, et que vous partagez mes aventures à chaque stream. Je suis mes comblés, et c'est grâce à vous. Donc merci à tous, prenez place, installez-vous confortablement. Nous sommes sur Monster Hunter Rise et nous avons pour objectif d'affronter notre dernier monstre de ce soir qui est le Rajang. Bon allez, je prends le dernier piège si personne ne veut le prendre et on y va tout de suite. Let's go. Alors pour ce faire, je vais essayer de chevaucher la somnacante. Non, c'est le Tigrex pardon qui est à proximité. Parce que il faut mettre les bouchées doubles hein, contre un Rajang, je vous le dis. Et surtout, et sûrement bientôt des nôtres ce jeu. Oh yes, mon Binou! Mais faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Ok, Tigrex, tu es là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ok. Allez, laisse-moi te chevaucher, s'il te plaît. Laisse-moi te chevaucher, s'il te plaît. Ouh! Ouh, 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 ouh. Viens là, viens là, viens là, viens là, grosse bitch. Oh oh. Ah! Ouh! Oh, relève-toi, Nautis. Relève-toi tout de suite, s'il te plaît. Merci. Il faut absolument que je chevauche ce Tigrex maintenant. Ah, saloperie. Ok, je vais t'aveugler. Ça sera peut-être plus facile pour te chevaucher, du coup, avec de l'aveuglement. Oh, il y a un harang. Ok, je peux le chevaucher, c'est cool. Merci le harang, c'est très cool, merci le harang. Ah c'était trop drôle. Par contre le harang, je suis désolé mais je me casse hein. Bisous, gros bisous. A bientôt. Ou à jamais plutôt. Je suis là les grosses bitches. Coucou. Salut le rajang. Tiens. Ouf, il est en super saiyan là. Ça va faire mal je le sens. Allez 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 allez. Attaque le wesh. Wesh wesh wesh. Ok. Maintenant.
Putain, elle bouge dans tous les sens. Mais attaque-le! Ah! Putain, j'arrive pas à le toucher, c'est ouf! Vas-y, vas-y, vas-y! Ouf! Enfin! Alléluia! Et là, on lui a fait mal en plus. J'ai du mal à placer l'attaque, hein. Allez, attaque punitive. Yes, on lui a fait encore plus de dégâts. Merci, merci à toi de m'avoir prêté ta force, Tigrex. Oh, divinité du vent. Ok, le rageant est à terre. On en profite parce que ça sera pas souvent le cas. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh non, non, Ryosuke s'est évanoui. Il ne nous reste plus que 2 essais. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Maintenant. Attention, esquive, esquive, esquive. Ouh. Ok, bon, bah j'ai pas été assez rapide. Mais va-t'en de là, va-t'en de là. En plus, il fait son attaque laser, là. On a l'impression que c'est Dracolos. Oh mon dieu, il me fait trop peur, le Rajang. Il me tétanise tellement qu'il est puissant. Oh là 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 là. Maintenant, allez Artemis, casse-toi Artemis. Oh là là Artemis. Oh Artemis, oh Artemis. C'est pas Artemis, c'est oh Artemis. Oh là là, il a fait son attaque laser, on en profite de l'attaquer pendant qu'il fait ça. Parce que après il a une petite seconde de aïe 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 aïe. Sa maman, sa maman, sa mère, sa mère. Sa mère choukri. Allez The B. Avance The B. Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Ok. Maintenant, Artemis. Aïe aïe aïe. Artemis, hein, tu pues du boudin, Noctis, en fait. Hein. Ok. Allez, on y va. Waouh. Oh. Attention avec ces gros fists de feu. Il faut être très vigilant. Ok, 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 on peut chevaucher le harangue, chevauche la aga, t'as raison, yes, bien joué, et comme ça, ça va lui faire pas mal de dégâts, c'est très très bien. J'en profite pour le taper aussi en même temps. Il est à terre, ah ça c'est génial. On a réussi à le mettre à terre. Allez, attaque de soi. Oh mon dieu, attention. Oh mon dieu, il nous a fait une roulade. Je n'ai rien compris à ce qu'il vient de faire là. Mais c'était d'une puissance. Lâche-le. Ok, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il était sur le point d'avaler un de mes coéquipiers. Et j'ai utilisé une bombe tranquillisante, ce qui l'a ébloui. Et il a lâché mon collègue, sinon ça aurait été un chaos. On a eu chaud. Hein. Ah, saloperie. Ok. Méga potion pour tout le monde. Avec plaisir. Alors, ce qui est très bien, c'est que j'ai une amulette que j'ai obtenue grâce à la démo Monster Hunter Story 2, qu'on fera bientôt en live d'ailleurs. Et du coup, cette amulette me permet de soigner mes collègues quand je me soigne. Et ça, c'est vraiment trop cool. Attention! Oh, fuck me. Ok, premier soin, vite. Ok, j'ai l'impression qu'il est à bout de force. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, normalement, ça devrait être un petit peu plus simple pour le buter. On y va, maintenant. Ah, saloperie, il a été coup de poing, là. Vite, vite, Artemis. Relève-toi, Artemis. Oh, mon Dieu. Allez, on y va. Wouh! Lâche-le, lâche-le, vite. Ah c'est bon, on a réussi à sauver notre copain. Mais qu'est-ce qu'il nous fait lui là? On dirait Kamel Wally. Il nous fait des chorégraphies à la Kamel Wally, c'est quand même incroyable. Mais c'est pas possible, c'est pas la Star Academy ici, calme-toi en fait. C'est quoi la puissance de ce Rajang? Il me fout la pression. C'est quand même incroyable. Allez, on y va, on fonce.
Mes petits hiboux, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en train de combattre le terrible Rajang, l'une des créatures les plus puissantes en jeu. Allez, bon flash dans ta gueule. Maintenant. Oui, on l'a aveuglé. Trop cool. On a réussi. Ouh. Tu es où? Tu es où, mon fils? Viens ici, baba. Viens ici, chérie. Hop. Mange-toi ça. Allez, allez, on en profite. Oh, on l'a presque tué là. Il est à bout de force. Je pense que d'ici une ou deux minutes, on pourra le capturer déjà. Oh, attention! Oh my god, Miché. Maintenant! Lâche-le, la sympa! Oh mon dieu, je sens qu'il va mettre quelqu'un à terre là. Allez. Attention! Attention, Artemis, va-t'en. Oh my god. Ok, il faut que je boive une potion du démon tout de suite. Ok, ça va me rendre un petit peu plus. Ça va augmenter mon attaque en mode démoniaque. Allez, il fait son attaque laser. On tape! Ok. Oh mon dieu, il a mis ses super fists. Et là, ça va faire très mal quand il est comme ça. Oh mon dieu, vite, attention. Ok, il attaque. Et moi aussi j'attaque. Attention Artemis, s'il te plaît. Ok, on se casse. Et maintenant qu'il est fatigué, là on attaque. Pas du tout. Oh là 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 là, allez, attention. Oh putain. Oh mon dieu. Mais c'est quoi ce massacre à la tronçonneuse qu'il est en train de nous faire là? Mais c'est pas possible quoi. Il est en train de nous, dominer quoi. Très concrètement, le Rajang nous domine. Ok. Il est à terre. Allez, mange-toi ça. Oh putain. Allez. Attention. Oh là 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 là. Ah, il m'a fait une petite caresse quand même. Hein. J'ai été mignon. Ouh. Oh purée. Ok, vous vous souvenez quand je vous dis que dans 2 minutes il serait capturable? Je me suis trompé. Lâche-le. Vite, soigne-toi vite. Oh putain, t'as bien fait de l'emprisonner parce que ça va me permettre de me soigner. Merci à toi. Allez, chevauche-le, tu as raison. Allez, ça va le faire. Oh my god. Allez. Meurs. On y va. J'ai entendu you're an asshole. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai entendu ça. Oh. Ok, là il est vraiment vénère, ça sent la fin pour lui. Hein. Oh mon dieu, mais comment c'est possible de le vaincre tellement qu'il est puissant en fait. Oh là là. Attention! Wow. Ok, il a fui. Oh, you better don't. On y va tout de suite. J'aiguise mes armes. Et on y va. Oh là là, il est costaud. Hein. Il me fait transpirer, quoi. Mais un truc de fou. Coucou le Tigrex. Wouh!
Salut le Tigrex. J'ai rien fait moi. C'est pas la peine de t'acharner contre moi, hein, Tigrex, t'es mignon, mais tu te vas te calmer tout de suite la kikounette. Hein, merci. Merci bien. Allez, boisson énergisante. Ok. On va prendre une petite potion de vitalité également. Et... Oh, j'ai chaud. Ok. On y va maintenant. Ok, on l'a mis à terre. Allez, 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 allez. Oh oui, 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 oui. Attention. Il rentre en mode Super Saiyan. Oh. Wow, wow, wow. Non, lâche-la. Oh, saloperie. Oh. Ok, ok, arrête de sauter, s'il te plaît. Waouh. Ok, il a vu son attaque super laser, ultra laser. Ok, allez, on désespère pas, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Et maintenant. Oui. On l'a touché. Ok, on y est presque. Oh ma kékette. Oh ma kékette. Oh là là. Oh, wow, super attaque laser. Allez, 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 on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Maintenant. Mais. Oh my god. Ouh. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Mais arrête de sauter dans tous les sens. Oh putain, il nous reste plus qu'un essai. Ryosuke s'est évanoui. Il nous reste plus qu'un essai. Hein. C'est lui ou nous. Hein. Malheureusement, là, on n'a pas droit à l'erreur. Sinon, c'est foutu. Ok, allez, viens par là. Ok, tu ne fais pas peur. Je n'ai plus peur de toi, Rajang. Allez, sois capturable. On y va. Allez, allez, allez. Oui, il est capturable. Oh mon dieu, il est capturable. Ça y est, enfin, on va probablement voir le bout. Maintenant, la question qui se pose, mais vais-je réussir à le capturer avant que l'un d'entre nous soit mis KO? Ah, c'était magique. Juste au moment où je dis ça, il y a une créature qui sort d'Unsezu qui me met mais à terre, quoi. Mais trop drôle. Si j'avais voulu le faire exprès. Ok, on y va. Maintenant. Maintenant. J'ai mis le piège. Ok, je l'ai mis là le piège. Allez, viens là, viens là, viens là. Allez, viens sur le piège. Viens sur le piège. Oh, viens sur le piège. Vite, c'est une question de temps. Viens sur le piège. Viens ici, grosse bite, j'allais dire. Oui, il a une grosse bite. Viens ici, allez. Viens là. Oui. Tu as sauté pile poil sur le piège. Je t'en remercie. Et on va te capturer. Yes. J'ai réussi à capturer un Rajang. Oui. Je suis trop content. Et coucou mon Tease. Trop heureux de te voir mon Tease d'amour. Je vais pas juste te souhaiter bon courage pour ta chasse. T'es trop mignon. Eh bien écoute mon Black Hawk, tu m'as porté bonheur. Puisque regarde, je viens de le capturer. Je suis trop content. C'était un combat mais très difficile contre le Rajang. Cette créature est extrêmement puissante. L'une des plus puissantes du jeu. Merci mes petits bouts pour le GG. Grave Hugo, j'envoie une Pokéball, on ne sait jamais. Ah c'est trop bien, en plus j'ai reçu des gemmes.
On a reçu une gemme bestiale et grâce à la récompense, on a reçu une deuxième gemme bestiale. C'est trop cool! Prochaine étape, Dark Souls. Je n'ai jamais joué à Dark Souls et un jour, j'aimerais bien faire un stream sur Dark Souls pour bien rire parce que je pense que je vais me faire massacrer tout le temps. Ça risque d'être assez rigolo, hein? Mes petits bouts, je suis trop content d'avoir réussi à vaincre ce Rajang. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur Monster Hunter Rise. Hein, on stream ensemble depuis 17h30 sur ce jeu. On va faire une petite pause miam miam et on revient à 20h30 pour du Mythopia. On va poursuivre l'aventure sur Mythopia. Nous allons découvrir un nouveau royaume, le royaume de Faerik, composé d'elfes, dont les fées, les divinités fées, ont été capturées par le terrible avatar du mal. Et je vous rappelle que nos trois fées que nous devons sauver ce soir ne sont autres que Nicki Minaj, Dojo Cat et Ariana Grande, la chanteuse. J'espère que ça va le faire. Hein ? On va voir ce que ça va donner tout ça. En tout cas, merci, merci pour votre présence. Merci pour tout cet amour que vous m'avez offert depuis 17h30. Vous êtes vraiment en or. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à 20h30 pour du Mythopia. Oh là là, tu me donnes faim, Mathieu, bisous. Bah, je crois que moi, je vais me faire la petite salade. Là, le roux curry, ça sera pour plus tard. Je vais juste me faire ma petite salade. Je vous la posterai sur le Discord. En tout cas, je pense très fort à vous. Merci, merci d'avoir été là. On se retrouve à 20h30 pour les petits bouts. Si vous êtes présents, je serai tellement heureux de vous retrouver sur du Mythopia. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petits bouts. Et je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous, tout le monde. Merci d'être passé. Merci d'avoir été là. Ça m'a réchauffé le cœur. Bisous, bisous, mon tips. Bisous, tout le monde. Je vous embrasse fort. À très vite. Bisous, bisous. A tout à l'heure, bisous ma chachou d'amour. Je t'envoie plein de gros bisous, Tips. Merci d'être passé. Ça m'a vraiment excité. Je te dis à tout à l'heure, 20h30, si tu es toujours là. Merci pour les bons appétits, les hiboux. Je vais aller me régaler. A tout à l'heure, bisous.